Michel. Je suis un bon tonton Michel, vous emmerde. Merde, où est-ce que... Qu'est-ce que je fais là, moi? Attends. I take... Ah, je vais prendre mon téléphone! C'est tellement sympa! Déguisement. Déguisement, déguisement. Voilà. Je prends mon... Qu'est-ce que je fais avec ma rose de merde? Maintenant, je prends mon téléphone. Putain, qu'est-ce que... Oh, pourquoi j'ai perdu... J'ai tellement... C'est la merde. Je vais appeler Martin, le Martinet. Martin. Appel. Allô? Allô? Allô, are you the famous Martin, the Martinet? Allô, Martin, le Martinet? Oh, putain, il n'y a personne qui répond. Hein. Oh, fais attention, salope! Toujours à ton poli, cours-toi, bien entendu. Très important. Je vais aller voler ce véhicule car je suis un vilain croquant vaillant. Oh là là, qu'est-ce qu'on ne sait jamais, on pourrait s'amuser, se déplacer. Ah, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Soyez utile un peu! Bonjour. Bonjour, Père Noël, tranquille ou quoi? En forme? Alors, oui, alors bonjour, jeune homme. As-tu été sage? Oh, purée. Père Noël, tu me fais peur un peu, hein? Tu veux que je te Non, dépose ou quoi? Je vois t'es en galère. Tu vois, la véhicule, t'as ah, un raté. jeune homme gentil. À Noël, tu n'auras pas du charbon. Allez, hop, dépose-moi un garage, je vais aller récupérer mon traîneau. Il est mis à la fourrière. Mais comment ça? Oui, c'est une Comment ça, longue j'aurais pas du histoire. charbon? Bah, Non, non, mais mais... non, je m'en fous du traîneau. Comment ça, t'en Attends, fous du attends. traîneau? Tu veux pas que tous les petits-enfants comme toi, ils aient les bons cadeaux? Écoute, moi là, j'ai pas de cadeau là. Je Tu veux pas pue ça un cadeau peu, là, hein, là t'inquiète maintenant? pas, c'est naturel. Oui, bah, j'étais à C'est un l'hôpital, peu je suis bloqué. là. Mais non, pas Ça sent celui-là, la le bière. garage. Celui qui est à Oui, je vois, côté je de la vois. banque. Celui-là, il y a tout le temps du monde. Ah. Enfin, un qui est ouvert, en fait, on s'en fout. Je veux Non, mais récupérer mon t'inquiète, je bosse, traîneau. t'inquiète pas, je bosse au garage tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Très bien. Je vais Elle est t'emmener belle, ta là-bas. voiture. T'aimes bien? Ah ben, elle est plus Je l'ai confortable acheté. que mon traîneau. Oh purée, tu vas montrer le traîneau, hein? C'est quoi ton traîneau? Ah, ah ben, tu pourras même faire un tour dedans, petit. C'est Noël. Je suis pas chaud du coup, un peu moins chaud, hein? Ah ouais, viens, on va sur les gens là, ils sont un peu con-con. Je les aime bien. Oh la vache, il y a du monde, hein. Ah ouais, tranquille, on va faire ça maintenant en vrai. Tu crois que je peux voler un camion parce que c'est mieux que mon traîneau, hein? Ah, carrément, Ah non, tu ouais. vas pas voler mon Mais non, je gars, veux. Alors, tranquillement. techniquement, je vole pas. Je suis le Père Noël. En tant que Père Noël, suis-je un voleur? Non, mais tes habits sont sales quand même, Père Noël. Enfin, ils Mais non, datent, mais tes c'est habits, normal, je quoi. bosse beaucoup et la mère Noël, elle fout plus rien, elle m'a quitté. Lasse, Elle t'a alors. quitté, Elle m'a oh là quitté. là là D'ailleurs, en là. parlant de ça, tu vas pas 500 dollars me prêter? Merde, Ah, le j'ai camion que je vraiment voulais pas un voler, il dollar. s'en va. Courageux comme travailleur, mon pauvre. Fais Ah là chier. là, mais... Vas-y, rattrape-le, non? Tu peux pas voler le Père Noël? Mais non, tant que j'ai pas mon traîneau avec mes rênes, je peux pas. Ah, mais merde, attends, je te sors le traîneau. Mais pourquoi tu es mécanicien? Ouais, mon gars, toujours. La Mécano, vache. on gère les boulons, tu connais, tranquillement. J'ai géré les boulons aussi avec une dame tout à l'heure. J'ai Ah bon? dévissé. Avec ma petite canne en sucre de Père Noël. Oh. Quand je ris, Oh là 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 oh. là. Ça a dû être vraiment salace, mon père. Pardon, là, approche-toi un peu. Pas trop, Ça a hein. dû être salace. Non, pas trop non plus. T'es sûr ton véhicule, il est en fourrière? Ah, il est pas en fourrière. Ah, mais si, il est là. Ah! Le traîneau de Pa, Papy pa, 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 Noël! pa. Il Ah, est il pas pète, incroyable! hein. Monte! Monte, on va faire un tour! On Non, va il pleurer! pète. Monte! Monte! Oh, purée, j'ai un peu T'as peur, peur? hein, Tiens, ben, ça gros. veut dire que Oh. tu es plus intelligent que la moyenne! Ouais, j'ai Monte! peur. Oh, non, en Mais fait, monte, j'ai un truc à jeune! faire. Je suis désolé, j'ai un truc à faire, mon C'est papy. gratuit ou c'est cher? Non, c'est 200 dollars, 250. Je sais pas si je les ai. Envoie la facture! Et envoie ton numéro, t'es sympathique, je viens de t'amener des cadeaux, moi, tu vas voir. Alors, comment il s'appelle? Oh là là, incroyable! Moi je suis chaud, des cadeaux, on prend C'est toujours, si on quoi peut. ton nom? Comment que c'est ton Tu me nom? dis Ace, tranquillement. Ace, le Dis mec Ace, mais ouais, c'est à... comme tu veux.
Je vais t'appeler le mec à anneau. Ah, ok, bah, pas. Le mec anneau. Ça fait le mec anneau. C'est quoi le numéro? 5, okay. 5, 5, et après 28, 35. 20, 28, 35. Et 9 à la fin. Et 9. Voilà. Tu veux le mien? Et voilà. Je m'envoie un petit message, mon gars. Oh là là, c'est compliqué parce que moi, je suis pas doué avec. As, c'est toi. Message. Je vais envoyer. Alors, attends, parce que je tape avec le clavier tactile. C'est. Oh. U. Ah, j'ai fait 2 U. Comment je fais pour enlever l'ancien U? Comment ça, 2 U? J'ai fait. Bon, tant pis. Fou. C'est. Oui. Oh. J'ai écrit quick ou. On a reçu? Ah, ouais. 2 U. Ah, bah oui, 2 U. Ah, ouais, moi, t'as pas réussi à supprimer. Ah, ouais. Je mets Père Noël. Ouais. J'avais du mal à te retrouver. Enfin, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, la salope du FBI? J'aime pas la police, salope! J'ai une contention avec la police. Une année, ils m'ont volé à mon sac de jouets magiques. Ah, bah, va lui dire, mais il est où? Et derrière, FBI, là. Salope! Ah, ouais. Mais tu vois pas, il y a son collègue, là. C'est un bandit, un bandit, un peu, ici. Ah, oui. Ouais, c'est un bandit, il est. Bandit. C'est un bon Renoir, ouais. Monsieur. C'est pas bien. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un camion à aller voler. Dis-moi, enfin, ouais. Ça t'embête si je subtilise le camion qui est à l'entrée de ton échoppe? Bah, non. Enfin, si ça me gêne un peu, hein, je crois que c'est ce qui. C'est avec ça qu'on bosse. Donc, d'accord. Alors, je le fais pas. Ouais, parfait. Bah, je non, mais je vais que, pas loin. Hein. Alors, j'essaye de subtiliser des véhicules. Mais c'est pas pour les. C'est, je les vole pas. C'est pour. Après, je les réduis. J'en fais des petits. Tu te rappelles les Hot Wheels quand tu étais petit? Eh bien, comment tu crois que c'est fait la Hot Wheels, que c'est précis? C'est magique. Je les réduis. Je les touche avec le pompon de mon bonnet. Ils deviennent tout petits. Et après, je les mets dans les petites boîtes et je les offre aux enfants. Ok. Voilà. Tu les invites. Faut pas trop les inviter dans la voiture, les enfants, quand même. Ah ben enfin, non, mais bien sûr que non. C'est magique. Hey, j'ai dit que j'étais le Père Noël, pas le Père Lacrasse. Allez bon, et si tu as pleuré en boule à 7 ans dans ton lit, c'est parce que le Père Lacrasse s'est glissé sur la couverture avec toi. Quoi? T'as mis un parking là? Comment on fait? Il y a un parking. Et où est le parking? Ah merde. C'est addictif comme un bruit. Bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Je cherche un parking. Est-ce que ça c'est un parking? Ah, ça doit être un parking. Déposer au parking. Ta gueule! Toujours dans l'amabilité, la gentillesse, c'est important. Vous avez vu ça le virage? J'aime pas comment je le prends bien. Oh, farge, comment je pilote. C'est là. Et ça, le pilote. La pipi. Et où le parking? Comme ça, déconne, ils sont où les parkings? Je comprends rien dans l'histoire de parking. Ah, ça doit être là, non? Stop! Stop, c'est le Père Noël! Bonjour! Bonjour, je suis le Père Noël! Je peux monter à l'arrière. Ah. Allez, roule, jeune! Mais ça marche. Ça m'arrange que ça marche.
Aussi le pomme Père Noël. Attention au virage. Oh putain, ni. Oh, allez, amène-moi à bon port. Je sais pas où on y va, mais on y va. Allez. Ça s'arrête là. Ça déconne, t'as arrêté à tous les feux, t'en fous de ma gueule, j'espère. Est-ce que je peux boire? Bien sûr. Et puis je mange aussi, c'est ça qui est bon. Oh, poète, on y va ou quoi? Je suis un Père Noël clandestin en déplacement inopportun. Père Noël, en avant les histoires. On s'en rapproche, on s'éloigne. Je sais pas où je vais. Bon, ben je vais descendre là. Ouais. Jamais. Je reste et on va où est-ce que ça va. Ça doit aller dans le nord, non? Ou ITF vers le nord. Je reste, non? Ouais, c'est drôle. Moi, je trouve ça marrant. Et c'est plaisant. Père Noël, en avant les histoires. Bon. La 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 la. Il va s'arrêter à tous les feux. Quel enfer, ohé. La 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 la. C'est vraiment un enfer. Si je montais sur les bûchettes. Hop là. Bûchette. Bûchette. Et bûchette. La bûchette. La bûchette. Ho ho ho. Joyeux Noël à tous. Ho ho ho! Joyeux Noël! Aïe! Attendez-moi! Attendez, heureusement il y a les feux! Attendez-moi! En tout cas, c'est un gros tas de bois. Hein. C'est beau. Hein. C'est fait POC! Je n'ai pas fait POC, j'ai fait POC! La 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 la. Oh là là, quel enfer tous ces feux. Oh là, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, on passe. Ouh putain, il a failli perdre la tête, dit. La 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 la. Je suis curieux de savoir où on va. Je suis le père boisé. C'est mon traîneau. Très bonne idée, le père boisé. Bonjour, Jeanne. Je suis le père boisé, c'est mon traîneau. Ma spécialité, c'est contrairement à mon frère, le père Noël, je fais que des jouets en bois. Et ça, ça va me servir à faire jouer pour l'année prochaine. Barre-toi. Je te dis, je suis le père boisé. Oh là là, où est-ce qu'on va? J'en peux plus, là. Hein? Oh là là, il y a encore un feu, là. Ah ouais, tu respectes vraiment le code de la route, hein. C'est incroyablement chiant. Hein. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de rester dessus, hein? Vous êtes certain que c'est une bonne idée, hein? Vice-RP ouvre bientôt, tu vas y aller? Avec quel personnage? Je sais même pas ce que c'est Vice-RP, Sir Grégoire. Je sais même pas qui le... Ah, j'ai mon téléphone, il vibre. Oui, allô? Pourquoi il fait marche arrière, lui? Oui, allô? Quel? Oui. Oui, j'écoute. Allô? Allô, Martin? Attends. Allô, Martin? Allô, Martin? Martin! Eh, mon vieux. Oui. Allô, Martin? Putain, mais oh. Je vais essayer de le rappeler. Ça sonne. Alors c'est quoi Marseille? Allô Martin? Tu m'entends ou pas? Ah c'est oui. Je sais pas, j'ai un problème avec mon téléphone, je pense. Non non, mais non, je t'entends. Il m'entend pas. Pourquoi tu m'entends pas, Martin? Parce que moi je t'entends. Ah putain. Martin. Je t'entends. Ouais, il m'entend pas.
Martin, il m'entend pas. T'es mute? Ah non, je suis pas mute. Non, non. Nightwork, occupe-toi de ton cul, je m'occupe du mien. Je suis pas mute, imbécile! Si j'étais mute! Le mécano, il m'aurait pas entendu, j'ai parlé 15 minutes avec lui, que tu es bête! Avant de parler, on réfléchit, avant d'écrire, on réfléchit, qu'il est bête! Allez, 10 minutes en prison. En prison, tu deviendras moins con, Nightwork TV, hein. Qu'il est bête, t'en bouge pas, arrête. Il bouge, Ricoco, 10 minutes en prison, il bouge, m'a gonflé. Il bouge, j'y arrive pas, qu'il est bête! En prison! En prison! Le solitaire en prison, Nightwork, mets-le en prison! Mais où qu'on va? En prison, en prison, en prison! M'énerver. Chalalalalala, chalalalalala, chal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 
J'ai hâte de savoir comment vous. On a le cimetière sur notre gauche, je confirme. Cimetière sur notre gauche, on va tout droit. Tout droit. On passe le cimetière, le gardien sur la gauche. On prend la route qui amène vers l'observatoire. Vous voyez la route qui amène vers l'observatoire ? Je passe devant l'université. On est à l'université sur notre droite. Actuellement, l'université, là. Il y en a le centre de recherche sur la gauche en hauteur. Mon Dieu, que j'ai peur. On a les villas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Je la veux. Elle est belle. Il y a des belles villas, là, hein. Ouais, restez concentrés. Restez concentrés. Ouais, mais j'essaie de me... Pour pas avoir peur, je détourne l'attention de mon esprit. C'est malin, hein. Ça marche. Alors, il y a des villas à côté de vous. Oh, tout autour, tout à... Je vous entends, ça fait ping-pong. C'est nous. Je vous vois pas, mais je vous entends. Là, on monte la route qui va vers le nord, là, par le... et j'entends, je vous entends plus. Vers le nord. Et on est dans la zone où il y a les villas. La zone où il y a les villas. Ouais, il faut continuer tout droit. Vous montez vers le nord, là, par le chemin qui grimpe. Et je passe, il y a une villa sur la droite, toi, palmier sur la gauche, et juste après les palmiers, il y a une station-service. On est dans les montagnes, là. On va vers le nord. Alors, moi, il est dans les montagnes. Vers le nord. Une voiture rouge qui nous suit, c'est pas vous. Non mais normalement vous nous entendez là. Non, je vous entends pas. J'ai l'observatoire sur ma droite, vous savez l'observatoire. L'observatoire sur la droite, ok. Et on a une grande route de montagne longue et lente. Voilà, là il y a la bifurcation pour aller à l'observatoire sur la droite. J'arrive vers le mur, il va me faire passer dans le nord. J'ai peur. Je veux pas aller dans le nord. Je passe dans le nord. Il est passé là-bas. Je viens de passer dans le nord. À l'aide. Ah, je saute. J'ai sauté. M'attendez, j'ai sauté. J'ai sauté. Je suis au mur du nord. Nord, ok. Je suis à la Guitoune. Comment on est... On arrive, on est tout proche là. Vous avez traversé ou vous êtes passé de l'autre côté ou pas? Non, j'ai sauté. Je me suis fait mal, hein. Sauté dans un buisson. J'ai peur. Vous avez sauté dans un buisson, ok. Il y a des agents de police nordistes décérébrés qui m'admirent de loin. Ça, le problème, il peut pas faire ça. J'allais lui suggérer, mais je savais que ça allait faire ça. Est-ce que vous êtes en état de vous déplacer là, à l'heure actuelle? Je suis caché dans la Guitoune. Parce que nous, on est à l'entrée de la frontière et je pense que vous. Mais non, vous n'êtes pas la bonne frontière, sinon je vous verrai, je suis à la frontière. Vous n'êtes pas à la bonne frontière. Peut-être pas la bonne, effectivement. Vous n'avez pas pris le bon chemin. Je suis seul dans les. Il y a un puma qui me regarde. Qu'est-ce que je fais, monsieur l'agent? Le puma me regarde. Vous m'entendez? Il y a un puma. Je vous entends, vous n'êtes pas tout seul. Je vais je vais utiliser mon téléphone, vous envoyer une... Non, je peux pas, j'ai peur. Mais en fait, monsieur, je pense que si vous envoyez une position alors que vous avez traversé la frontière, ça va être les clowns du mais Nord. Mais non, je suis pas traversé, j'ai retraversé. Ok, bah alors envoyez-nous la position, là, dans ces cas-là, on pourra venir. Comment je fais? Vous raccrochez, vous nous envoyez la position par... Mais je fais pour moi la position, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour moi une position. Ouais, un message. C'est le monsieur à la frontière. Je sais pas comment. Position. Envoyez message. Voici ma position.
les rappeler. Oui, allô. Vous envoyez la position. C'est très bien, on arrive. Vous avez vu, vous avez reçu le message, c'est moi, j'ai marqué, voici ma position. Parfait, parfait, on est là. Oh, 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 oh. Ah, mes sauveurs. Faites pas attention à l'accoutrement, je faisais un anniversaire. Pas de soucis, grimpez, monsieur. Oh, oh, oh. Ah non, ça c'est moi. Ça c'est Germain. Comment vous êtes retrouvé sur les sur la remorque du camion, monsieur? Ah, mais le monsieur m'a dit montez s'il vous plaît. J'ai ma voiture est en panne, alors je suis monté dessus parce que voilà, je devais aller à l'anniversaire. Et après il voulait pas s'arrêter, il riait, dit j'ai kidnappé le Père Noël. Je l'amène dans le nord. Je vais lui mettre des bûches dans le. On vous dépose où, mon cher monsieur? Ah, alors pouvez-vous me déposer au garage? De lequel? Ça tombe bien parce qu'on doit y aller. Ah ben, un qui est ouvert. Okay. Bon bah, Costa, je te laisse check. Vous êtes, en tout cas, vous êtes gentil. Bah, on ne fait que notre métier, monsieur. Vous me dites au secours, je suis emprisonné dans un camion. Vous offrez des cadeaux de Noël. Ça a été sage. Venez-nous de Mali. Ok. Oui, je veux bien des cadeaux, monsieur. C'est normal, tout le monde veut des cadeaux. C'est comme ça qu'on aime le Père Noël. C'est vrai. Je crois qu'il voulait me tronçonner. Ah, 54, c'est un code 4 sur le dernier 911. Oh là là, vous avez un collègue, il fonce, hein? Oui. C'est pas parce que j'ai fait plusieurs appels, j'espère qu'il a pas pris le mien. Hein. Non. On annonce à nos collègues quand on prend l'appel ou pas. S'il a l'air... il y va, hein? Bah, il se passe pas mal de choses aux frontières, monsieur. Ah bon? C'est très tendu, en fait. C'est 54, t'as mis au courant pour plus d'informations? C'est qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. C'est moi, oh, des rivalités territoriales. Ah, ça, j'y ai remarqué, oui. Vous avec nos chers et merveilleux copains du Nord. Vous êtes tout le temps en train de demander les cartes d'identité. C'est normal, ça c'est classique. Oui, c'est pour vérifier que... Vous retournez pas, je me mets tout nu. Hop là. Non, okay. Parce que bon, c'est bien de faire les anniversaires, mais bon. Faites. Ah, je me sens mieux là, c'est bien mieux. Attends, je me retourne. Ah, mais c'est vous! Comment ça, c'est moi? Bonjour, mais qui êtes-vous? Mais on s'est déjà croisé à plusieurs reprises. Je n'ai aucune souvenance de vous. Vous deviez être vous avez déjà appelé le central alors il y a quelques jours et vous m'avez fait pleurer de rire. Comment vous pouvez savoir que c'est moi que j'ai appelé le central juste avec ma voix? Parce qu'on s'était déjà rencontré à quelques instants auparavant. Il m'avait informé que ça. Très bien. Bah alors. Bah, et après le numéro de téléphone est toujours le même aussi, sauf si vous changez de carte. Pourquoi je ferais ça? Le téléphone me l'a donné, je vais pas en acheter un autre, pas fanat, c'est non, cher. Non, mais c'est juste façon de parler. Ah, déjà que personne même dans le... Ah, mais qu'est-ce que c'est... Ah, mais alors Ah, excusez-moi. Personne ne vous quoi? Personne ne m'aime. Pourquoi? Mais si, il y a forcément quelqu'un qui vous apprécie, qui vous a dans son cœur. Ah, vous croyez? Moi, j'en suis convaincu. Tenez-moi la main quand vous me dites ça. Je vous tiens la main. J'ai toujours un profond respect pour les personnes de mes aînés. Bon, ben, vous êtes le premier policier pour qui j'ai un minimum de considération. C'est gênant. Bon. Je sais ce que... Vous avez besoin de quelque chose? Alors, si vous avez de l'argent, j'en prends. C'est pour l'argent, j'aime ça. Qu'est-ce que c'est? Allez, check, La vie, elle n'est pas facile, mais... Oui, alors, si jamais votre vie est difficile, puis-je vous donner un conseil pour vous remonter le moral? Vous allez sur YouTube, okay, et vous regardez des vidéos sur les vidéos qui vous expliquent les vidéos de platistes. Et vous verrez, votre vie, elle devient incroyable. Vous apprendrez tellement de choses sur la Giga Pangée, les géants, les sirènes, les Incas. Et les bases du Troisième Reich cachées sous l'eau. 2 heures de vidéos, je me suis tapé un sketch. Je vous le conseille, vous allez vous régaler. Ah bah écoutez, j'aime bien m'instruire, donc oui, pourquoi pas. Bonjour monsieur les agents, comment allez-vous? Bonsoir, très, très bien. Bonsoir, bonsoir. Super, je m'occupe de votre bolide. Oui, je vous laisse faire, monsieur, je vous laisse faire. Et le mur?
Bon, ben, c'est pas tout ça, je vais aller voir si je peux me faire embaucher. J'ai décidé de devenir un excellent mécanicien. Eh ben pourquoi pas. Merci la jeunesse. C'est pas, hein. C'est pas trop tard pour trouver une vocation. Bon oui, ben je voulais faire mes médecins, mais je connais même pas d'iso du corps humain. Regardez comme elle est belle celle-là. Oh, prenez-moi une photo dedans, monsieur l'agent. J'ai fait le mec classieux. Allez-y. Elle est à qui? Je peux rentrer dedans? Oh, je peux pas l'ouvrir. Je voulais faire le kéké comme ça. Parce qu'en fait, je me suis inscrit sur un site de rencontre. Mamanchaudasse.com. Et comme. Attends, qui c'est qui m'appelle? Oh, qu'il est chiant alors celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas d'amis? Allô, Michel? Oui. Allô? Oh, le ouais, problème là, vient bon. De toi. Ouais, c'est bon, je savais, j'ai réglé mon téléphone. C'est où qu'on est, monsieur l'agent, là? On est au. Attends, c'est encore avec la police? On est au LS Custom. Non, mais ça va, celui-là, il est pas pénible. C'est un policier pas pénible. Ah, okay. Il m'a pas demandé ma pièce d'identité. Ramène-toi, viens me chercher. Ouais, j'ai une voiture en plus. LS Custom, hein, c'est ça? C'est à côté gouvernement. Ouais, mais j'arrive, je connais. J'arrive, très bien, là. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il est bête, lui? Voilà. C'est fatigant d'avoir une moitié d'amis. Oui. Bah, si vous voulez, je vous prends en photo hein, avant que je m'en aille. Mais non, mais je suis pas dedans, c'est pas bon, il faut être au volant. Ah bah, vous faites semblant que c'est la vôtre, hein. Je suis sûr qu'elle livrera que du feu. Oh putain, j'ai une idée de génie, monsieur l'agent. Vous me prenez au volant de la voiture de police, parce que ça les mamans, comme ça fait croire que je suis policier, ça, c'est possible. S'il vous plaît. Possible, mais alors pas de suite. Pas de suite, parce qu'il y a une urgence, mais je vous promets que je vous appelle dans la soirée pour le faire. Je vous présente Martin, l'homme mal poli, qui pour dire bonjour fait des doigts. Allez, bonne soirée, messieurs, bon courage. Attendez, je vous appelle, ma photo bonjour. Ma photo. Non, mais je vous assure que je vous promets que je vous appelle dans la soirée pour le faire, je vous promets. Mais venez, on l'a fait vite, là, vous êtes là, la voiture. On a une urgence, Ah, bon, très bien. Voilà. Bonjour, merci, Martin. Bon courage. Ça va, Michel. Attends, mais jeune, tu es partout, toi. Je peux vous aider, peut-être, monsieur? Non, ça va. Pas sa voix. On n'aime pas ta voix. C'est quoi ta voiture de merde? Je sais pas. Hein. C'est pas moi. Ah, alors, elle va être confortable. Alors, ça change tout, hein. Alors, rentre dedans, sinon je peux t'en voler une. Viens, me fais voleur professionnel de voiture. Oh, j'ai une idée. C'est quoi, oh là là, j'ai l'idée de la voiture devant, là. Non, on va se chercher des masques d'abord. Il faut des masques. On est les gangsters. Moi, je suis conducteur, hein, je fais pas ça, moi. Non, mais moi, je vole, moi, c'est bon. On est les gangsters flotteurs, je t'explique. Attends, je vais acheter des kits de crochetage, tu vois, l'autre fois au LTD, là. Ouais. Écoute-moi, on est les gangsters flotteurs. On chope les voitures et après, on les jette à la jetée de Del Perro. Ok. Et on a comme revendication que le réchauffement climatique c'est terminé. C'est à cause des... Exactement. Et qu'il faut épurer le parc. Et qu'on veut voir que des voitures électriques. Fais attention, les agents vont nous arrêter. Voilà. T'es content, tu t'es fait arrêter. Ah non, ils s'en foutent. Ah, ça va. Elle est belle, ça. Il est bête ou quoi? C'est un fou, quoi. C'est la voiture de indestructible. C'est Batman? Non. T'as jamais vu un Martin, je veux devenir mécanicien. Embauche-moi. Ah mais je suis plus dedans. Comment ça? Je suis plus mécanicien, moi. Putain, Martin, c'est vraiment à rien. Martin Mystère. On va où? On va acheter des masques. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais j'en ai déjà, j'ai mon masque du Père Noël. Ah ouais, mais moi j'ai... Mais non, j'ai une meilleure idée. Arrête-toi tout. J'ai raconté des bobards à un gars, regarde bien. Il faut que tu te déguises en petit lutin. C'est absolument crédible. Ok, mais attends, on va au magasin alors. Attends. Je suis un Père Noël. Je suis en train de collecter des voitures pour l'année prochaine. Je les attrape, les voitures, ensuite avec mon pompon magique. Je les réduis, ça fait des Hot Wheels. J'ai mis dans les petites boîtes pour les enfants. Et donc, du coup, tu les mets dans l'eau pour changer de couleur. C'est tout, hein. Exactement, c'est pour vérifier que le changement de couleur fonctionne. Alors, c'est une vraie Hot Wheels ou pas? C'est où qu'on va? Au magasin, je vais me déguiser en lutin. Qu'est-ce que tu conduis bien? T'as vu? Regarde, moi, j'ai l'impression que je vois un peu moins de diapos que d'habitude, c'est normal. Je vais faire le 360 degrés, ça pète là. Oh, magnifique. Ça, c'est très peu de personnes savent faire ça. Ah bah tiens. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est pas pour moi. Suis-les. Allons vers l'aventure. C'est une intervention. Suis-les. Je veux voir où ils vont.
Tu comprends pas que là où il y a intervention, il y a voiture. Ah ! Mais putain, t'es intelligent. Et ils vont, la déposer certainement sans rien faire. Tu restes un peu de loin. Un peu de loin, comme ça, tu regardes. Un peu de loin. Mais plus près quand même, parce que là, c'est pas loin. Je pense qu'ils vont prendre, en fait, ils vont prendre un bateau, je pense, ou un hélicoptère. Ah. Mais c'est bien ça. Les bateaux, vas-y, fonce. Mais fonce, on aime les bateaux. Mais vas-y. On n'a pas de bateau, nous. Mais eux, oui. Tu es bête ou tu le fais exprès? Ils sont où? Ils sont plus là. Ouais. Ben voilà. Ta lenteur légendaire. Non mais même si je suis là, on aurait dû les voir là-bas. C'est pas faux. Bah c'est raté, bravo. 20 sur 20. Ah, j'aurais tellement aimé avoir un bateau. C'est frère Hot Wheels hors après, série les bateaux. Après, les bateaux, il y a très peu de personnes qui en ont. Hein. Enfin, tu vas avoir personne sur l'eau. Moi, j'y vais régulièrement. Ralentis un peu. Ah ouais, ralentis. Attends, viens, on change et moi je conduis pour voir. Ok. Ah, t'as un problème. Ah ouais, c'est moi, hein. C'est clairement moi. Hein. Ah, ben alors justement, c'est moi qui conduis. Moi, je suis lent, Ouais, ok. Va au magasin de vêtements là-bas. Où ça? Ah ouais, ouais, c'est moi, t'inquiète. C'est où je vais? Là, je vais me changer en lutin là-bas. Regarde derrière. Tu vois, là où je pointe mon doigt, là? Là? Là, vas-y, encore au cul, encore. Là. Encore. Ah, c'est bon, là. Ok. Tu sais que tu veux de l'argent? Oui. Tu vois les ATM, tu sais que tu peux les voler les ATM. Hein. C'est vrai, viens voler l'ATM. Ouais. C'est parti, attends, comment je fais? Ah! Attends. Ah, ça recommence. Ah, toi, oh là 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 là, j'en sais rien. Ah, c'est pas moi, mais c'est toi alors. Alors je fais comment? Je fais G. Et après je fais quoi? Je veux voler, comment je fais? Je pense qu'il faut des outils adaptés. Hein. Mais attends, je me charge dans le lutin, attends. Oui, je sais. Tiens ta moto de merde. Salope. Nous sommes agressifs et stupides, comme tout citoyen de Los Santos. Je fasse une. Oh, elle, ça peut faire une Christine. Ah oui, elle se soulève. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Faut s'en aller de là immédiatement. C'est une Christine. Regardez. Elle n'a pas le bon moteur, mais sinon, elle se soulève un peu. C'est une Christine. Vous avez vu, c'est une Christine? C'est une Christine en devenir, elle. Bon, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Faut pas 1000 ans pour transformer en lutin! Ah. Je trouve pas de vêtements pour les lutins. Mais monte. Oh là là. C'est moi, j'ai fait tomber ta moto! Je vais aller lui dire. On va le dépouiller. Qu'est-ce qu'il est avec sa mobilette? Il est loin là. J'ai envie de faire le mal. J'ai envie de. Tu veux incarner le mal? Ouais, je veux être le Palpatine. Oh, du mal. Putain. Oh, sans déconner. Attends, on va rouler comme ça, ça va aller. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter ça. Tu es prêt? 1, 2, 3. Je code avec le cul. La 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 la. La 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 la. Je code avec le cul. Moi je code. Mais moi je pense que c'est toi. Hein, parce que j'ai rien moi. Ah bon? Non mais là j'ai rien. Je code avec le cul. Je propose que je m'appelle le Grinch. Bon, il nous faut trouver des gens un peu aimables. Est-ce que nous n'irions pas dérober des véhicules fourbement? Oh, regarde, ça a l'air peu énorme. Là. C'est un avocat. Eh bien, justement, raison de plus, je peux pas les empiffrer.
En plus, elle a même pas l'air mûre. Elle est jeune. Moi, je les aime mûres, les avocats. Tu es même pas mûr. Un avocat vert tout dur, ça peut... c'est quoi l'intérêt? Enfin. Enfin, Martin. On peut vous aider? Après, Tam, il est un peu plus mûr, si vous voulez. Comment ça? Elle a l'air complètement cruche. Bah, vous êtes plus vieux que moi, Tam. Oui, bon... Oui, c'est ça les cruches. T'imagines, elle te défend, t'es foutu, tu sais que t'es foutu. Ouais, je peux vous aider? C'est ta chance. On vous parle, messieurs dames, bonjour! Ouais, ben non, mais vous avez vite. Oh, oh, oh. Les quand on a une grande gueule, entend, malheureusement, faut parler un peu à tout le monde. Et c'est normal, je parle fort. Ouais, avec ses vitres explosées, donc oui, c'est normal. On le sait qu'elle a explosé la vitre, on l'a volé la voiture. Qu'il est bête. Là, là, hein. C'est okay. Illégal. Oui, ben c'est bon, hein, madame la loi, vous en parlez pas, j'en parle pas, n'en parle pas, que s'il faut qu'on vous kidnappe, que je vous mette dans le coffre. J'appelle la police. J'aime fou, moi. Appelez, il n'y a pas de problème, on va les appeler. Allô? Ça va? C'est, ah ben, ça donc, va la police. Ça va la police. Crédibilité zéro, je vous crois. Vous êtes, ça va? Allô? Ça va? Ici la police. Oh, tu appelles la police, mon collègue, il sort et tu te pètes la gueule. Non, on est des voyous, nous. Je suis pacifiste, moi. Non, mais pourquoi j'appellerai la police alors? Genre, si vous avez un souci, vous avez ma croix. Martin, j'aime bien faire le méchant. On est méchant, d'accord? On est des voyous. Mais vous avez le droit, hein. C'est bravo, hein. Comment ça, on va loin? On n'a pas bougé. On va où? Ah, vous avez le droit de faire les voyous. Ah bon, on a le droit, c'est un droit qui les pète. Vous êtes avocat, c'est sûr? Ouais, ouais. Il y a un avocat qui te dit, vous avez le droit de faire le voyou qui les écoutez, pète. Si vous faites les voyous, vous avez besoin d'un avocat, si vous vous faites arrêter. Du coup, ça me fait attends, du travail. Attends, j'ai une idée. Oui. Faut regarder sur Google et lui poser des questions de vrai avocat. Ah mais j'ai pas besoin d'aller sur Google, hein. Ah ben. Pouvez-vous me donner une définition de jurisprudence? Pourquoi je vous ferais un jurisprudence? On vous donnera 500 dollars si vous répondez bien à trois questions. Non mais, c'est quoi, je suis... Mais, pouvez-vous me donner une définition de l'avocat de jurisprudence? Pourquoi je vous... Qu'est-ce qu'un pro bono? Voir si vous êtes avocat. Pro bono, c'est une affaire qu'on va prendre... Ah mais c'est facile, ça, tout le monde connaît. Ouais, c'est facile, mais il faut une question facile pour la pâter. Jurisprudence. Allez, on s'en fout, okay. Je vais pas vous sortir une définition. On s'en fout. Il connaît même pas jurisprudence. Qu'est-ce qu'une peine planchée? Ah, d'accord. Mais il connaît pas non plus. Ah, planché, il est nul. Pouvez-vous me donner les droits Miranda? Je suis policier, moi, tiens. Bah, vous devez les connaître, quand vous même. Vous devez les connaître, qu'il est bête. C'est le fondement de toute arrestation. C'est quoi un non-lieu? C'est pas un lieu. C'est quoi un OQTF? Ah ah ah, je ris. Tu es nul comme avocat, on ne te prendrait pas. Tu es renvoyé. On l'avait c'est embauché, Martin. Je pense qu'il a dit, ouais, faites des bêtises. Eh ben, on ne veut pas toi. Qu'est-ce que... Alors, ouais. Plus simple, bah, viens, donne-moi viens, une définition. Madame, la madame. Attends, plus simple. Définition baccalauréat. Donne-moi une définition du mot ludique. J'en ai marre de vous. Ah, il connaît pas ludique. Si, on peut avoir des cours. Qu'est-ce qu'il a avoir dit? Avoir des cours ludiques, ça veut dire avoir des cours attractifs. Être ludique, c'est attractif. Apprendre tout en s'amusant, enfin, d'une manière plus agréable. Par exemple, des cours de droit, il n'y a rien de ludique là-dedans. Il m'a payé 10 000. Ah ouais. Si vous préférez. Ah, si vous pouvez apprendre des cours de droit en tout ouais, mais c'est, on va dire c'est un peu plus donc, difficile. Bah non. Ben non, nous on est des gangsters, on connaît bien. C'est quoi un suspect? Est-ce que c'est vous, par exemple, qui êtes masqué? Vous êtes suspect de... C'est sa tête, de quoi vous parlez? C'est ma tête, je suis le petit frère, je suis le père boisé, le petit frère du Père Noël. Je fais c'est que des qui a mal fini, tu vois. Ok. Et sinon, j'échappe des voitures, je les réduis, j'en fais des Hot Wheels. Bon, bah, je te fais un bisou. Okay. Voilà, même bien, les camions je fais. Par contre, pour le coup de votre collègue, je ne peux rien me faire. Même la réduisant, il restera gros. Après, c'était drôle. Oh, c'était drôle que je suis marrant, Martin. Bonjour, madame. Après, vous savez que là, ce que vous faites, c'est un... Vous n'avez peut-être pas la définition, mais c'est un outrage à l'employé de l'État et au barreau. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est... L'avocat, on peut l'insulter, c'est bon. Non. Outrage à employé d'État et à barreau, avocat.
Non, 1450 dollars d'amende. Vous êtes employé d'État ? Le terme exact, non, c'est... Non, non, en fait, et barreau, avocat. Outrage, outrage à personne dépositaire de l'ordre public dans l'exercice de ses fonctions. Je suis obligé de lui apprendre. D'accord. Article code pénal, article 22. Outrage à employé, entre parenthèses, gouvernement, EMS, police, et barreau, entre parenthèses, avocat. Mais barreau, mais oui, mais barreau, en fait, mais c'est si, pas si, vous. Une... C'est pas vous le barreau, si. C'est le procureur, c'est le juge, c'est le greffier. Vous, non, non. Vous, non. Il est bête. Il a cru qu'il allait travailler à l'État. Vous travaillez pour l'État ? Vous travaillez pour l'État ou vous avez un bureau d'avocat ? C'est elle qui fait passer les avocats. C'est vrai ? Eh ben dis donc, vous êtes facile de passer, parce que bonjour le niveau intellectuel. Ça va pas bien. Bien sûr qu'on va bien, on est en rigole. Après, moi, j'ai une question. Comment vous pouvez connaître aussi bien le code pénal quand vous n'êtes pas avocat ? Bah parce que je suis instruit, ça s'appelle la culture générale. Non, vous faites parce que... Parce qu'il est avocat qui peut rien savoir des avocats, vous savez. Enfin, il n'est pas disponible. C'est un civil. C'est... Non, en fait, j'ai le droit de, me cultiver, excusez-moi d'être intelligent. C'est un civil, bien sûr, c'est un citoyen comme tout le monde. J'espère pour vous, monsieur. Comment ça ? Ah non, moi je suis pas un citoyen comme tout le monde parce que déjà, je suis ni du nord ni du sud. Ah mon dieu. Ouais, quelle horreur, j'y crois pas. Ouais, c'est ce qu'il a dit Jésus quand il m'a vu. Après, je veux dire, ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti dehors du coup. Je sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant il y a deux États, Saint-André-As. Ouais, non, mais je m'en fous, moi je suis un ressortissant français touriste. Et au fait, vous avez déjà réussi à sortir dedans, mademoiselle ? Elle sort dedans ! Je ris que je ris, Martin ! Comment ça ? Dedans où ? Oh ! J'ai envie de dire... C'est vous, Martin, c'est toi qui dis dans ton cul. Dans ton cul. C'est vous ? Non, mais non, mais c'est vous qui faites passer les avocats. Dans ton cul ! Vous en posez des questions, dites donc, Martin. Ah oui, il s'appelle Martin. Martin, Ah, c'est Martin. Oui. Martin. Pardon, j'avais pas entendu. C'est Martin Bachelieng. Enchanté, Martin Bachelieng. Vous moquez de et mon accent, c'est et bien vous ça. Ah vous non, vous moquez. C'est la de la discrimination. Vous voulez que je vous fasse le procès ? Vous allez perdre, hein. C'est la mode en ce moment. Désolé, monsieur. Je fais la pleureuse Noël. Sur les réseaux sociaux. Terminé votre existence. Vous roulez en boule sous votre lit avec votre chihuahua et vous pleurez. Vous voulez que je vous fasse pleurer ? Moi, vous je connais les réseaux sociaux, moi. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est pas votre profil. Alors, B. Ouais. O. Ouais. B. Ouais. L. Ouais. E. Non, non, mais arrête, ouais. Arrête, j'ai compris. G. Ouais. O. T'inquiète pas, Tom. Ouais. B. Je vous donne mon TikTok. Qu'est-ce que kick ? Mon TikTok, c'est qu'est-ce que kick ? Je suis la star de TikTok, je suis qu'est-ce que kick ? Tout le monde y connaît qu'est-ce que kick ? Vous êtes trop vieux pour être sur TikTok. Casse-toi avec ta voiture blanche, parle à ton jeune de bonne intelligence. Et pourquoi tu cries ? Pourquoi tu me cries dans pourquoi les oreilles ? Pourquoi je crierai pas ? Donc lui il s'arrête et il dit ça. Mais c'est vrai, ouais, ça m'a abasourdi carrément là, et la crinitude là. Regarde. S'il te plaît, nique pas ma job, nique pas ma job, nique pas ma job. Bouge alors. Tiens. Oh là là. Maintenant tu restes avec nous, on fait le constat. Monsieur, je vous prends comme avocate. Vous avez vu mes rentrées dedans. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mes rentrées pour un problème. Le problème c'est que vous êtes rentré dedans, monsieur, l'avocate. Et toi t'as vu, je vais tirer ton... Je vais faire une dinguerie. Tu vas rien faire du tout, je suis le père boisé. Petit frère du père Noël. On n'est pas à Noël. Et alors je prépare les jouets, tu veux participer? Oh, vas-y, on voit. T'as quoi à proposer ? Ah, c'est un... Viens avec moi. Vas-y. T'as un ami qui m'a tué, le bâtard. Regarde cette borne. Regarde là, tu comptes jusqu'à 10. Tu bouges pas. Vas-y. Hein. Je vais la réduire. Attends, j'ai reçu un message. Une seconde. Vas-y. A l'air d'être complètement déchiré, ce lieu. J'entends ce que vous dites. Je suis à côté, hein ? Tu passes sourd, hein ? Non, non, j'ai rien dit. Attends. J'arrive pas à envoyer le message. Mais putain, comment on fait pour envoyer un message ? Tu prends ton téléphone, tu tapes des lettres et tu cliques sur envoyer. Attends, opération vol au vent. Je répète, opération vol au vent. Oh, il y a un truc en haut là-bas. Où ça ? Il y a quoi ? Quoi ? Là-bas ? Où ça ? Où ça ? Dans le ciel ? Où ça ? Mais je vois rien. Vous voyez quelque chose, jeune homme ? Là-bas, Martin, là-bas, tes là-bas. Yeux baissent, il faut absolument qu'on passe chez le... Où ça ? Où non, ça ? Là-bas, là-bas. Mais où ça ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais où il va ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Bah, suivez-le. Tenez-lui le bras ici, il est à moitié aveugle, tu vois rien, Martin. Tu vois pas, Martin ? Accompagnez-moi.
Bon, Martin, en fait, retourne à la voiture, tu m'agaces. Martin, retourne à la voiture, Martin, je discute avec le chien. Je ce que t'es en train de me dire, Marc. Je suis aveugle. Non, tu... Mais qu'est-ce... Là mais t'es aveugle, il y a deux minutes, tu nous as dit un truc dans le ciel. Oui, non, mais c'est pour faire... Parce qu'il Martin, pour... derrière toi, derrière, retourne-toi. Il est dans le déni. Il est dans le déni de son affliction, de son handicap. Pouvez-vous lui tenir la main, s'il vous plaît? Oui, va. Mais pour faire quoi? Mais pour le ramener à la voiture, aidez-moi. Putain, vas-y, Martin, donne ta main. Prends le bras du jeune homme. Je t'attrape, viens. Et vas-y, viens, suis-moi. Viens, Martin. Allez, suis le jeune homme. Amenez-le jusqu'à sa voiture. Côté passager, hein. Hop, attends, là, je te bouge plus. T'es bouche flottée, parce que t'as des mecs comme toi, je vais le porter. Oh, alors, vas-y, viens. À la jeunesse. Bien fait, mon Martin. Tu l'as pas volé. Mais tu es plus aveugle que nos possums, de toute façon. Allez, hop, dans la voiture. Mettez-le côté passager, s'il vous plaît, jeune homme. Ouais, vas-y, je le mets. Oh, putain, attends. J'ai pris ta voiture, merci. Garde l'aveugle, j'en ai rien à foutre. Il est où Martin? J'ai perdu Martin. Bon, mais écoutez, hein, nos aventures continuent. Ah merde, mais ça gâche tout ça. Et alors, pour ceux qui se posent la question, oui, redémarrer mon ordinateur. Ouais, j'arrive, Thibaut, j'arrive. Et on va faire les matchs de classement ce soir, les jeunes. Pour ceux qui aiment League of Legends, on va aller en match de classement. Mais là, un jeu. Dans un quart d'heure, mon cher Thibaut. J'en fais quoi de cette voiture? On a perdu Martin. On appelle Sain. Il est si fort. Il roule trop vite pour moi. Voilà. Quelle indignité. Pas trop vite, ça évite les blagounes. Qui font comme je suis un, comme je les déteste. Il dit que je les détestais. La vache, qu'est-ce qu'il connaît? Aïe, une voiture presque neuve. Vous avez pas honte, monsieur? Heureusement qu'elle est pas à moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Que j'ai eu mal, oh là là, j'ai mal. Je peins dans le Ralph Patterson, que je peins. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de comprendre leur pérégrination, ils font rien en fait. C'est incroyable, la police est payée à faire des tours, ils font des tours dans l'eau. Vous voyez comme je fais bien le pain à façon Ralph Patterson. Tellement plus viril le camion. Il s'y fend. Il s'y fend. Il tourne en rond. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fend? Ah! Ah voilà, il s'arrête. Dites-moi. Ouais. Vous êtes malade ou quoi? Oh oh oh. Ah, c'est le Père Noël, c'est ça? Ouais, alors, je vous suis depuis tout à l'heure, hein. Vous foutez rien. Faites des tours en rond. Avec l'argent du contribuable. Ouais, bah écoutez, continuez à payer mon salaire et allez vous faire boire, d'accord? Ça quoi pas, hein. Descendez de la voiture, vous pétez la gueule. «
Monsieur, je veux votre matricule, on ne parle pas au père Boisé comme ça. Mais qui vous êtes pour que je vous donne mon matricule? Je suis le père Boisé, le petit frère du père Noël. Bah allez, bonne soirée, monsieur. Je vais vous choper, je vous avertis, je vais appeler vos collègues, je vais vous déglinguer la gueule. Reviens ici, salope! Donne-moi ta carte d'identité! Je veux ton numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale! Tu es obligé de me donner ton matricule! Donne le matricule, te défausse ta gueule, moi, hein! Ah oui. T'as entendu? Tu me menaces à moi! Avec mon argent! Quoi? Attendez, mon téléphone qui sonne, c'est mon ami Martin. Vous êtes complètement en essénine, monsieur. Allô? Michel? Vous voyez consulter, hein. Oui, je me dispute avec un policier. Ok, mais tu viens après, du coup, parce que... Tu es où, moi, c'est bon? Il me retient, en fait. Il me retient, il a un couteau sous la gorge, là, pour sa voiture. Qui est à l'appareil? Mais il fait genre qu'il me connaît pas. Je ne vous connais pas, monsieur. Michel, viens. Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais j'ai troqué contre un vieil ami aveugle une magnifique voiture en bleu, je m'en régale avec. Michel, viens. J'arrive. Je ne viendrai jamais. Mais si je travaille, mais surtout. Oh putain! J'ai freiné court, tout le monde va bien? Je suis sincèrement qu'est-ce désolé. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais vous regardez. Ça va, l'erreur est humaine, avec ce masque, j'y vois rien aussi, merde! Mais qui conduit avec un masque, on dit que. Mais n'importe mais quoi! Mais oui, mais j'allais à un anniversaire! Mais allez confus. Vous excuser! Mais ça va, ils ont rien! Vous simulez! Si, allez vous excuser! Oh my god. Je vous présente mes excuses, oula. Je suis désolé. Oh non, ma cuisse. Ça va, relève-toi, en plus j'ai besoin de toi. Bah, ça va, t'as rien. Vous avez rien. Je vais le mettre une patate. Ah. Excusez-moi, ça m'a l'air intéressant, je peux participer. Ah, j'ai fait le bisou. Non, aïe. J'ai fait le bisou. Mais c'est pour m'excuser, votre collègue m'a dit de m'excuser. Excusez-vous à genoux devant ma sœur. Ça va, mais je vais m'excuser à genoux devant votre sœur. Oui, ça va. Ah, mais non, mais pas la voiture, elle est pas à moi. Déconnez pas, arrêtez, elle est pas à moi. Genoux, paysan. Tu sais, c'est qui, lui, Queen? C'est qui? C'est le pote à papa, hein. Ah, non, mais non, mais non, mais elle est pas à moi. Comment je vais faire après? Je suis à genoux. Débrouillez-vous. C'est pour Noël du pauvre. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça... Aïe, oh. Mais pas moi. Ça va pas, mais vous êtes... Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le sport national. Eh ben c'est pas grave, j'ai gagné des capotables. Bien fait, j'ai même la couleur des petits phares. Allez, allez, hop là. C'est moi le bien fort. Bien fait les filles, ça vous apprendra. La vache, regardez les éclairages. Oui, allô, Martin, tu es où? Martin, il faut que tu ramènes la voiture. Tu es où? Je t'envoie une position. Ah non, c'est chiant les positions, j'arrive jamais à savoir où c'est. Je redis-lui qu'on se retrouve dans le commissariat. Ok, il va venir devant le commissariat, là. Oh putain, mes couilles sur ton mammouth. Hein. Okay, je conduis, tu conduis? Okay. Moi? Mais non, tu peux pas conduire, t'es pas avec moi, Martin. Je parle au mec. Michel, tu m'as mis dans une sauce, là. Mais non, pas du tout, pas du tout. Franchement, on y gagne au change. Hein. En fait, là, il me dit soit tu ramènes la voiture, ou soit je meurs. Ah oui, ça m'étonne quand même. Mais dis-lui, je la ramène. Pas de geste brusque, dis-lui. Je la ramène. Je suis là au commissariat. Tout va bien, Martin. Il est au commissariat, là, il dit qu'il est au commissariat, là. All is okay, I am Gareth at the Comico. Répète-lui ce que je viens de dire. Attends, il me dit, dis-lui, dans 30 secondes, je t'envoie une pause. Mais je sais pas, les pauses, il veut pas venir au commissariat, c'est tellement mieux.
Mais non, en fait, c'est là, en gros, moi, je ne peux rien faire, Michel. J'ai pas des moyens. Bon, alors, envoie-moi la pause. J'envoie la pause. Envoie-moi la pause. C'est pas, un vrai loupard, il a des vraiment une arme. Attends. Mais pourquoi je veux supprimer? Pourquoi je peux pas lire les messages? Pop là. Comment ça, pop? Qui où ça, quoi? J'ai rien fait, monsieur l'agent, hein? Je m'en privé de quoi? Je m'en privé de quoi? Mon dieu! Je les bloque, je suis un citoyen, je les bloque, te bloquer! C'est toi le parking, Max. J'avais les preuves, mes deux yeux. Arrêtez-vous! Bon, allez, tap tap. Ils sont nuls, ces policiers, ils savaient qu'il allait rien faire. C'est vrai que. Et dire que je suis dans une voiture volée. Avec des phares violets. C'est vrai que c'est marrant, ça. Ah ouais, c'était marrant. C'est vrai que le parler est drôle. Je vous remercie. Bonne journée, messieurs les piqueurs. Ah, pardon. Je suis un peu maladroit. De toute façon, la voiture est foutue. Bon, comment je fais pour voir un message? Je vais rappeler Martin. Putain, je comprends pas comment on lit les messages. C'est tellement nébuleux, c'est pas simple. Pourquoi je veux les supprimer? Hein. La pause. Bon ben, voilà. On n'est pas plus loin, on n'est pas plus près. Hein. Bon ben voilà. Bon. Alors attendez, je vais l'appeler. Mais là, mais cette voiture, je n'échangerai jamais contre Martin. Il me faut une plus belle voiture. Putain, je vais appeler Martin. Martin. Je l'appelle. Elle est bien, cette voiture. Hein. Allô ? J'ai pas la pause. Non, mais en fait, j'ai pas envie de pause. T'as essayé de me niquer, en fait, Michel. Mais pas du tout. T'as voulu. Mais non, c'est pas ça. Ouais, mais, c'est ouais, que mais... Je pensais que tu t'étais enfui, moi. Non, il m'a retrouvé. Et là, là, je suis toujours avec lui. Et là, on a retrouvé ta voiture. Comment ça, ma voiture? T'as volé la voiture de ma fille en plus. La voiture que t'as, c'est celle de ma fille. Ouais, eh ben écoute, ta fille, elle a massacré la voiture qui n'était pas la mienne. Elle est mal élevée. Je pense pas qu'elle est. Moi, je pense que je l'ai bien éduquée. Elle est très mal élevée, cet enfant. Non. J'arrive, je sais où tu es. Tu es au mécano? Je sais pas où je suis. Si tu es au mécano, avec ta fille qui est en train de te pleurer sur l'épaule. Putain, va au mécano vite. J'arrive au mécano. Oh là 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 là, ça gâche tout. C'est pas elle. Et voilà, je suis là. Il s'y fait, Martin. Il est où, Martin? Oh, tu descends. Tais-toi, femme. Il est où, Martin? Mais c'est qui, Martin? Mais ton père. Mais pas Martin. Mais il est où, ton père? Mais il est assez... allez, arrête de courir dans la voiture qui a les cruches. Excusez-moi, monsieur. Où est-ce qu'il est, ton père? Il a actuellement ma voiture entre les mains, sans mon autorisation. Ils sont en train de manger, ils sont occupés, ils ont rien à faire. C'est des policiers, ils s'en fichent de toi. Ah, Martin! Ouais, j'ai peur. T'es un lâcheur, toi. T'es un lâcheur, Michel. Ta voiture, elle est à l'intérieur du Bénise. Tout va bien, je l'ai amené à réparer, en fait. Ah, vas-y, viens, on va parler sur le côté, t'inquiète, tranquille. Ah non, je...
le concept de parler dans une ruelle sombre, je préfère aller avec les policiers. Ouais, viens, viens, viens. T'inquiète, on va parler, le vieux, viens, t'inquiète. J'ai peur. Comment ça, tu nous laisses, Martin? Regarde, comme j'avais embouti sa voiture, j'en ai... Qu'est-ce qu'ils veulent, les débiles? J'en ai trouvé une mieux. Martin, ne sois pas vexé, reviens. C'est ma voiture de ma fille, ça, c'est ma voiture de ma fille. Aïe, mais arrêtez de me taper, à l'aide, la police est là. Police. Police. Au secours. Au secours. À l'aide. Putain, c'est le casseur de couilles de l'hôpital, celui-là. Ça, oui, alors, bonjour, comment ça va, Jeanne? Ah, ça va, attends, déjà, recule-toi un petit peu, tu pues de la gueule, mon gars, tranquille. Ah, mais c'est normal, j'ai bu. J'adore boire. Ah, ça va. Ah, et du coup, c'est quoi, t'avais un problème de quoi, de foie, hein? C'est quoi, attends, mais c'était toi, mon collègue d'en face? Bien sûr, je te gueule dessus. Ah, comment là, ça va? Ça va bien, allez, recule, mon gars. Tu vas mieux? Ça va, tranquille, et toi, bien? Ah, ça m'a fait plaisir de te voir, hein. Dites ouais, moi, même moi. Est-ce que vous êtes un peu des loupards? La vérité! Des loupards, c'est déjà quoi? T'es partout! Attends, mais je te connais, toi! On s'est déjà vu! Malheureusement, ouais. Ah, allô. Ça me fait plaisir de te voir! Comment il va? Ouais, attendez une seconde. Ouais, ouais, je suis bien le patron, dites-moi. Le patron de quoi? C'est pourquoi le véhicule, s'il vous plaît? Ouais, ouais, c'est bien. Monsieur, s'il te plaît. Attendez ce que tu appelles. Tu me dis quoi? Ça se voit un petit peu là, quand même. Je vous laisse, hein. Ah, Martin, tu es là? Dis-moi, ta fille, c'est la blonde, là? C'est ne me tape pas! Arrête d'avoir, je vais pas taper, c'est bon. Si, tu me crois, la fille va me... Jeune fille, calmez-vous! Mais calme ta fille, enfin! Elle est mal polie! Mal polie! Mal polie! Bien fait! Elle a tapé son père! Raté! Tout vif! Non, arrêtez de me taper, je présente, je demande pardon! Je demande pardon! Arrêtez! Arrêtez! Non, il va voler ma voiture! Bonne journée, merci beaucoup! Il est où, ma Martin? Martin, monte! Elle est toute neuve! Mais monte! Je monte plus, moi! Descends! Ça va te choquer, cousin! Monsieur l'agent à l'aide! Monsieur l'agent à l'aide! Monsieur l'agent au secours! Oh non, ça va tout gâcher! Ça va tout gâcher! Demande la chaîne! C'est lui, hein. Mets-toi sur le côté, là. Je roule doucement car je suis prudent. Et que toute personne âgée se doit de respecter le code. Arrête-toi, on t'a dit. T'as vu, mais ça va, je vais m'arrêter. Oh là là, j'ai compris. Arrête-toi, ça va te chiffonner. Ah là, pêche au moule. Oh, lève-toi du milieu. Arrête-toi. Je suis un vieil homme, je n'ai plus rien à perdre, dois-je jeter la voiture à l'eau? Éloignez-vous, je vais faire une connerie! Ça va faire plouf! Mais... Mais de quoi je me mêle? T'es un hélicoptère ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais... Je panique, ok? Je suis vieux et aviné, je passe... Descends. Ne vous approchez pas, je vais sauter dans l'eau! Je saute, hein! Il a une arme! Plouf!
meilleur move à faire. Plouf. La voiture, elle a fait plouf. Merde, il faut le tour. Fais chier. Attends. Objectif, le bateau. Je pense qu'avant qu'ils arrivent à faire le tour, il y a la marge. Oh, mon bateau. Est le plus beau des bateaux. Il y en a là. Ils sont où? Allez, si le vieux putain, je veux me le faire. Merde, il est là. Ta vie, je vais t'attraper dans l'eau, je vais te noyer, je vais te tuer. Et tu vas mourir ce soir. Viens ici. Viens ici, je t'attrape le vieux. Viens ici, je t'ai dit. Toi, c'est que ça à faire, toi, je suis nageur professionnel. Moi, oui, j'ai été maître nageur à Marseille, au cercle des nageurs. Sous la gorge, tu bouges plus. Il tient pas sur l'eau. Tan 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 tan. Alors, c'est qui le patron maintenant? Aïe, merde. Tu fais moins de ta mariole, hein? Je suis en train de me noyer, pitié, je vais mourir. Rien à foutre. T'as essayé de me zigouiller avec un couteau. C'est dommage s'ils savent pas piloter un bateau parce qu'il y en a un autre à côté. Pitié, aide-moi, pitié. Je peux t'achever si tu veux. Je vais mourir. Il y a un bateau juste là. Si tu savais piloter un bateau, tu aurais pris l'autre bateau. Mais tu sais pas, la mer est inconnue pour toi. Oui, mais j'ai nagé. Non, tu sais pas nager, tu t'es noyé. Mais tu sais que là, de base, j'allais rien faire. Mais là, si je t'attrape, je tire des dingueries, tu comprends? Ouais. Je m'en fiche. M'en fiche. Pardon? Et toi, t'as vu toi? Et tu vas faire des cauchemars de moi, sale bâtard, des cauchemars. C'est sûr qu'avec les chaussures roses que tu as, je vais faire un cauchemar. Je ris, que je ris. Allez, c'est bon, tu fais jouer l'assurance, ça rancune. Je suis un peu sous. Je me l'ai mis dans l'eau, c'est un véhicule que j'ai volé, que j'ai acheté 7 000 $. Et tu me l'as niqué, là, on fait comment? Tu l'as volé ou tu l'as acheté? Je l'ai, bah, c'est un véhicule volé que j'ai acheté, t'as vu? Ah, donc j'ai volé un voleur qui se... Ah, excuse-moi, c'est Martin. Ouais, vas-y. Oui, allô Martin, j'ai fait des sports nautiques avec notre ami à la voiture bleue. Je vais tiquer, bâtard. Elle est où la voiture de ma fille? Alors, c'est... Alors ça, c'est... il faut demander au monsieur. Attends, je lui demande. C'est quoi ton prénom, jeune? Si là, elle est en train de nager. Arrête de faire flipper. Attends, elle est où la voiture de la fille de Martin? C'est pas lui qui l'a, c'est pas lui qui l'a. Ah bah alors, je sais pas, mais viens, nous on a la marina. La marina, attends, on arrive. Je suis avec, je sais pas comment il s'appelle, mais il est rigolo, hein. Il se passe des bons moments. Ah, Marina, j'arrive. Et ta fille, ta fille, c'est un peu une grosse... Elle est pas très maligne, non? Ça vient du côté de sa mère. Pas comme ça de mes enfants. Ah, oui, pardon, tu as raison, Martin, excuse-moi. Mais bon. Je raccroche, hein, tout de suite. Il est où, l'autre imbécile, Marine? Il est où, imbécile? Et il s'est noyé, disons. Où il est? Je l'entends tousser. Où qu'il est? Vous n'auriez pas vu
un bel homme avec des chaussures en rose. Non. Ah, il est là. Oh là là. T'as vu, tu m'as saoulé, le vieux. Tu m'as saoulé. C'est pas vrai, je suis sûr que si j'approche, t'essayes de monter. Non, tu m'as saoulé de ouf. Bien sûr, sale bâtard. Hop. Merde. Hop. Merde. Tu as sous la gorge, t'as dit, tu bouges plus, bâtard. Yeah, la vengeance, t'as vu. Et tente un truc, je te jure, je te prends la gorge. Arrête-toi, j'ai tranché la gorge. Rien du tout, t'as pas de couteau, t'es ton doigt. Regarde alors, t'es qui le patron? T'es qui a la gorge de qui là? Arrête. Oh, allez. J'ai mis le couteau sur le. Mais là j'ai vraiment mon couteau. Allez, à plus ça. Je vais te. Oh non, je vais te cut. Tu veux pas t'arrêter? T'es sûr que tu veux pas t'arrêter? Bien sûr que non, j'ai plein de patates, j'ai pris de la drogue et de l'alcool. Mais je m'en bats les. Mais tu. Je vais te. Allez, jeune. T'as peur de l'eau, hein? Calme-toi! Ça va, j'étais juste. La voiture, tu me l'as fait passer là sur. Mais ça va pas, t'as un vrai couteau! T'as combien de. Bien, mais viens, je te montre. Non, c'est bon. Mais tranquille, je pas te respecte. T'es un fou, t'as un couteau. T'as vu, j'ai pas envie de te cut, vas-y, viens. Mais j'ai peur! J'avais pas vu que c'était un vrai couteau! Je vais mettre le pied hors de l'eau. Voilà. Tu payes combien pour la chope? Tu veux que je t'achète une voiture? Elles sont bien tes voitures? Non, tu rembourses. Attends deux secondes. Oui, comment tu t'appelles déjà? Jeanne. Jamie. Je suis avec Jamie là, Martin. Il est en train de mener. Quoi? Je suis avec Jamie. C'est lui qui a la voiture bleue, il est très gentil. Mais moi, j'ai ma voiture, c'est bon. Moi, j'ai ma voiture, c'est bon. Moi, j'ai toutes mes voitures, c'est bon. Hein. Mais t'es où? Je suis à Marina, moi. Viens, par là. Ah, mais je suis au niveau du truc des. Là où on a voulu les policiers. Viens. Où? Là, on a vu les policiers tout à l'heure. À la marina, on a vu les policiers, tu te rappelles? C'est incroyable de plus avoir de mémoire comme toi. Mais je suis là. Là où ils sont partis, ils sont disparus là. Voilà, t'es ça. À tout de suite, je suis au bord de l'eau. Tu veux que je vienne là? Oui. Attends une seconde, je raccroche parce qu'il y a Gilbert qui. Comment il s'appelle le jeune? Oh, viens me voir. Ta voiture, elle est garée là. La tienne. Jure, elle est où? Ben, elle est juste dans l'eau, là. Elle est garée. C'est bien parce qu'elle ne prend pas de place. Viens, on va prendre la chope de sa fille, là, sinon toi, j'ai fait des dingues. Martin! Arrête de bouger, Martin! Il arrive, Martin, cours! Tiens, bâtard! Reste ici! Bouge plus! T'es rebouche, je te dis! Bouge plus! Hop, la couteau sous la gorge! Pas le couteau! Voilà. Ah, Martin! Non, Martin! Couteau sous la gorge, c'est bon là! Je bouge plus! Viens. Je demande humblement pardon, mon vieil âge, je me fais faire des bêtises, c'est Alzheimer. Contre le poteau jaune. Non, pas le poteau. Lequel de poteau? Contre, derrière toi, là, retourne. C'est pas un poteau, c'est une bite d'amarrage. Ah bah, contre ça, le mur, parce que c'est mieux le mur, non? Non, le mur, c'est chiant, toujours contre le mur et tout, contre la bite d'amarrage. Moi, c'était pas le mur, c'est mieux. Je vais contre le poteau. Ouais, va contre le poteau. Tu vas lève les mains, toi aussi, on va faire pareil que ton pote, lève les mains. Je peux enlever qu'une si j'ai un problème de clavicule. Ouais, bah, lève une, je suis fou. Attends, je peux te parler? Je te parle pas fort parce que Martin est derrière. Ouais. C'est lui le cerveau, il me fait faire n'importe quoi. Il sait que Martin, il est en train de dire que c'est toi le cerveau. Et c'est toi mais bordel, mais c'est incroyable, toi, on te dit un secret, le lendemain, tout le monde se connaît, hein? Bah, je t'aime pas, donc ouais. Lève tes mains, le vieux, là. Je veux m'énerver, lève tes mains. Je lève la main. Les deux. Mais je peux pas, l'autre, je suis. Je suis jamais arrivé. Oh putain. C'est jamais arrivé. Mais je suis vieux aussi. Lève tes mains et dès que tu lèves tes mains en forme attends, de j'ai une idée. Comment c'est quoi déjà ton prénom? Jamie. Parce que Jamie, avec Martin, on aimerait être voleur de voiture. Et tu pourrais être notre chef. J'en ai rien à foutre. T'as vu, Jamie, tu as les chaussures roses et le couteau, c'est toi le chef. Martin, tu pourrais sortir pour venir parler avec nous. Ouais, Martin, tu peux sortir tranquille. Moi, je descends plus ma voiture, j'ai trop peur de. Martin, ça va, Jamie, il est gentil, il a un couteau, mais il m'en veut pas. Sinon, il m'aurait déjà zigouillé. Ah, je vais te faire des dingueries. Merde. Tu vois ce que j'ai. J'attends juste que tu lèves tes mains. Ce que j'ai subi, Michel, j'y arrive pas, j'ai mal à la clavicule. Tu lèves tes deux mains, t'as vu, tes deux mains, et après tu les croises comme si tu faisais un X. Ah bon? Ça. Ouais.
Ah mais... Oula. Bah moi quand je pense à X, ça me donne envie de faire un popo. Regarde, mais on fait quoi de vivre, hein? Tu fais quoi? Mais je suis vieux, moi. Qu'est-ce que j'y peux? Je suis vieux. Putain, vas-y, retourne-toi. Tu vas pas me faire mal. Non, retourne-toi, jamais. Ah mais tu veux fouiller ce que j'ai sur moi? Mais c'est ton pantalon, Michel, fais gaffe. Oui, je comptais te fouiller. Retourne-toi, t'inquiète. Tiens, ça en tient fait, cadeau. Retourne-toi, déjà, tu donnes même une rose parce que je te trouve sympathique. Le vieux, retourne-toi, je t'ai dit. Mais c'est tout mouillé. Je retourne. Ta gueule, bâtard. T'as vu la prochaine fois? Je vais te faire des trucs, tu feras et t'arrêteras de faire le fanfaron, je sais pas comment vous dites là, t'as vu? Aïe! C'est pas grave. Vous êtes violent, Jamie. Mais il mérite, il me fait chier, puis il m'a fait nager une demi-heure, gros. J'ai les vêtements mouillés, je vais devoir aller me changer, t'as vu? Je vais juste te faire sécher. Ça, tu pourras prendre de nouvelles chaussures. Ouais. Aïe, j'ai mal quand je ris. C'est marrant, hein. C'est marrant, les vieux. Aïe, j'ai mal. C'est, bon, c'est, pompe, hein. C'est pas bien, lui, c'est pas bien d'être méchant. Je sais pas. Peut-être appeler l'ambulance quand même. Moi, ça me fait. Ta fille, il est pas très loin. Mais il est mort. J'ai pas besoin d'ambulance, je suis résistant. On a appelé. Tu vois le vieux? What? J'ai dit. Il ramasse les roses. Bah, tu sais, il a donné des trucs et il les a ramassés. Bien sûr. Je sais pas quoi faire de toi. Hein. Il m'a payé 7500 dollars. Tu as payé 7500 $. Et où la voiture, du coup? Mais je les ai pas, j'ai mis. Comment je les trouve? Envoie ton numéro, envoie ton numéro. La vache, ça, je vais me faire raqueter tous les jours que Dieu fait. Attends, je peux te parler de Jamie? Viens, j'ai peut-être une idée pour te faire. Je prends son numéro. Ah, Jamie, lui, tu lui parles en privé, mais pas moi. Vas-y, donne. 4. Non mais au pire, en gros, 4. Jamie, tu engages Michel. Ah, je donne mon numéro, Michel. Martin. Quoi? Je suis en train de donner mon numéro. Il m'entend pas. Hein? Je donne 4, mon 4. Numéro. Quoi? 4. Il est à moitié sourd, ça. 4. 4. Et là, maintenant, c'est vraiment maintenant que commence mon numéro. 1. Ouais. 2. Ouais. 3. Tu te fous de ma gueule. Ah non, c'est vraiment ça. Mon vrai numéro, demande à Martin, là. Ils en étaient à quoi? À 3. Ben, recommence. Vas-y, recommence, c'est mieux, c'est plus prudent, parce qu'en gros, c'est... Au préfixe, de l'argent, quand même. Le préfixe. Alors, préfixe. 4. Ouais. 4. Ouais. 4. Ouais. Ensuite. Et là, c'est vraiment mon numéro. 1. Ouais. Attends, Martin, tu m'as dit quoi? Eh, les mecs, t'as eu là, je suis déjà patient de fou, je vais faire, dit. Calme-toi, tu es beau gosse, Jimmy. Quand tu t'énerves, ça te ride. Qu'est-ce que j'ai pas? Non, mais c'est parce que Martin, je comprends pas qu'est-ce qu'il m'a. Martin, attends, mais je suis con, moi. Mais Martin, c'est 3-4. Martin, donne-moi son numéro, toi, tu l'as, vas-y, donne. Rapidement, s'il te plaît. Donc c'est 4? Ouais. Eh, Martin, je suis pas au con. 4? Ouais. Ouais. Et Martin, je vais te niquer, Martin. 2. Comment ça, 2? Non, c'est 1, c'est 1, il ment. Attends, je vais t'éteindre. C'est bon? Il appelle qui? Je sais pas. Ah, pas dans le véhicule, toi. Je mets mon corps contre le véhicule. T'es en fond, quoi. Ton corps musclé. Putain, je pensais que t'avais monté me braquer avec ton couteau. Eh, non, attends, ça Jamie, ça va, non, je reste là, je bouge pas, non, c'est non. Bon. Non, mais. Non. Mais c'est 1. 2. Le gars, il a trouvé un vélo. Allez, à plus, c'est loser. J'ai un vélo. Jamais tu me retrouveras. Je vais te pare-choc, le vieux, je vais te pare-choc. Il va pare-choc rien du tout, je suis un expert du vélo, moi. Oh putain. Tu pare-choc pas. Ma voiture, c'est payant, hein. Il faut, c'est 7500 $. Je vais te pare-choc, le vieux. Tu vas pare-choc rien du tout. Je vais te pare-choc. Ah. Et comment je fais pour récupérer mon vélo?
Bah ok, c'est bon, vas-y, sors de là, je vais te donner des thunes. Ça m'a gonflé, j'ai pas envie d'avoir un Jimmy psychopathe qui me gonfle toutes les deux minutes. C'est qui m'appelle? Ouais, salut, c'est Jimmy, salut. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de monsieur Michel Enclume. Je ne suis actuellement pas présent. Mais c'est un autre là. Bon Michel, regarde, on va faire un truc, maintenant que j'ai ton numéro là, tu vois. C'est soit je te laisse. Mais ça va. Écoute, je te laisse 3-4 jours. Michel, t'as juste à changer de numéro, c'est tout. 7 500 $, t'as vu. Soit je te mettrai sur un petit plan, ok. Ah, alors attends, parce que je vais essayer d'en... Je peux avoir à boire, s'il vous plaît. J'ai soif. Tiens, je te donne une bière, tiens. C'est soif, parce qu'un connard avec des chaussures roses, il m'a mis... un homme bien avec des chaussures roses m'a mis une dérouillée. Tiens, par terre, regarde par terre. Mais qui c'est qui m'appelle encore? Allô? Eh, tu me racontes ta vie, j'en ai rien à foutre, Michel. Tu vois ou pas? Ah, c'était au cas où t'avais pas bien compris. C'est quelqu'un, il n'est pas intéressé par mon existence. Je sais pas qui c'est. Je peux avoir à boire, s'il vous plaît, même si j'ai par pris terre, la tasse. Par terre. Il n'y a rien par terre. Si, regarde, en dessous de la voiture, regarde, hop. Oh mon dieu, quel indigne. Hop là, je peux arriver. Mais Jimmy, j'ai soif, je vais tomber dans les pommes. Tu ne boirais pas devant lui. C'est bâtard ça, Jimmy. Ça, c'est vraiment moche, Jimmy, je suis très déçu. Tu sais quoi? Non. Du coup, tu pars à pied. Allez, à plus, Jimmy. Roule, Martin, roule. Tiens bien vu, mais roule, Martin, mais roule. Attends, je vais te retrouver. Donne-moi ton numéro. Ouais, donne ton numéro, Martin. Mais prends pas son numéro, laisse-le à pied, vengeance. 55 95 0. Quoi? J'ai rien compris, reste ici. Moi non plus, j'ai rien compris. Mais j'ai pas le numéro de Jimmy. 95. Mais attends, t'es un mec du sud ou du nord toi déjà? Jimmy, ton numéro il commence par 1452. Ouais, c'est 14-522. Bâtard. 95. Ouais, allô. Allô, je sais pas comment j'ai fait pour enregistrer ton numéro, envoie ma message. Vas-y, donne ton numéro à l'autre. 5. Martin, tu veux quand te mettre dans le coffre? 5-5-5, Martin, ouais. 5-9-5-5-9. Martin, c'est qui paye mes frais médicaux? Martin, s'il te plaît, Martin! 9-5-9-0. Mais t'es 5-5-5, on commence ou 4-4-4? 5-5-5? Oh putain, c'est... Mais attends, y'a un mec qui m'appelle encore. T'es encore moi. Allô? Il faut m'envoyer un message, sinon je peux pas enregistrer ton numéro, je voulais que tu l'oublies pas. C'est pour ça que je t'envoie un message, je t'appelle pour te le dire. Parce que je sais, j'ai peur que je dois te rembourser l'argent pour la voiture. Ok. Donc, je manque que j'ai retenu son numéro quand même. C'est 5-5-5. Vas-y, 5-5-5. 9-5-9-0. 9-5 quoi? Donc 5-5-5. 9-5-9-0. C'est bon? Allô Martin? Allô, c'est Michel, Jimmy. Est-ce que tu veux le numéro de Martin? Il me dit peut-être que tu voudrais qu'on contacte Martin. S'il vous plaît, par pitié. Quoi? J'en peux plus, laissez-moi de Faut pas emmerder les vieux quand on est... Les vieux, ils sont malins. On est des vieux malins. Martin, il est malin. Ouais, exactement. Et Michel, il est... voilà. Tu me parles au téléphone, on est à côté. Pourquoi tu me parles au téléphone? Bon, mon numéro, du coup. C'est pour le côté dramatique. Donc, c'est... 5-5-5. Ouais. 9-5-9-0. Tout ça? Tu sais pas ça, ton numéro, Martin? Non, il t'a menti. Mensonge. Si. Son vas-y, numéro... appelle maintenant, je réponds. Oui, allô? T'appelles, là? C'est mon numéro que tu appelles, imbécile. Ouais, je suis en train d'appeler, là. Ben oui, mais c'est moi. T'es sûr? Mais non, il a... Attends, je vais vérifier. Vas-y, raccroche, regarde, hop, là, tu reçois un appel. Le numéro de Martin, c'est 555-57-098. Mais non, dis pas 57-098. Et c'est Martin qui m'a dit de voler la voiture aussi, ce qui veut dire qu'il doit payer la moitié, Jimmy. Répète, c'est quoi, répète? Tiens, 57-098. Vas-y, appelle-moi, c'est ma carte, c'est bon. Donnez ma carte, c'est bon. Attends, il faut... Attends, Martin, il y a moyen de gérer ta fille ou pas? Mais toi, t'es un fou, toi. Non, mais t'as vu, on a commencé de mauvaise manière. Jimmy, alors... Tu m'aurais pas. En tant que vieil homme, et j'ai... 55, vas-y, dis son numéro. J'ai 57 avis. Je t'ai donné ma carte. Écoute-moi bien, Jimmy. J'ai 5... Ouais. Oh là là, attends, j'ai plus simple. 57. Attends, je vais avoir ton attention. Mais regarde ma carte, je t'ai donné ma carte. Oui, mais bon, tu me l'as donné, je l'ai mis dans ma poche, j'ai la flemme de la sortir. Voilà. Attends, ça sera mieux, parce que sinon, c'est pas bon, j'arrive pas bien à lui parler. Putain. Allô, ouais, Jimmy allô. C'est Michel, j'ai entendu, tu voulais, comme ils disaient les jeunes,
pécho courtiser la fille de Martin. Ouais, écoute-moi bien, c'est ça. Moi j'ai 58 avis positifs sur mamanchaudasse.com, donc franchement je connais la séduction. Okay. Sa fille c'est un boucan, il n'y a rien à en tirer. C'est, elle est bête à manger du foin. Alors non, franchement, si tu veux c'est quoi, faux, c'est faux, c'est faux. Alors, il te dira que c'est faux parce qu'il en peut plus, c'est de s'en débarrasser. Non, mais non, bah, je voilà. J'ai soif, je vais tomber dans les pommes. À l'aide, que quelqu'un à boire. J'ai pas à boire, j'ai bu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, bouge pas, ok, j'arrive ici. Non, hein. mais allez-y, Jimmy. Votre vie. Oui, non, envoie-moi un message, Jimmy, envoie-moi un message. Je t'envoie, oui. Il est gentil, Jimmy, mais il est un peu bête. C'est pas, vas-y, c'est Martin, Michel, c'est pas Michel qui a dit ça. Ouais, tu es au top, tu es smart. Il irait bien avec ta fille, aussi con que ta fille. Qui a dit ça? Reste au téléphone avec lui, hein. Il faut que je reste au téléphone? Reste au téléphone, ouais. Moi, qu'est-ce que tu fais? On va appeler un mécano. On va récupérer sur ma fille, en fait. On va appeler ta fille. Oui, mais j'ai soif. Je vais mourir de soif. Ah ouais, c'est... Putain, mais toi, t'as... T'as tous les problèmes du monde, toi. C'est... Oui, à boire. Quoi ah, c'est un message, ça doit être Martin. Bon. Ça doit être, non. Comment il s'appelait? Jamy. Jamy. Moi je fais. À son camion. Tu dois cliquer en haut sur message. Le... Ouais, c'est ça. Et après je fais quoi? Ah, voilà. Après tu mets le nom. Tu mets Jamy. Couteau sous la gorge. Jamy le coutelier. Le coutelier. Le coutelier. Non, validé. Écoute. Faut que tu demandes à voir au mec là. Ah bon? Monsieur, c'est une urgence, on a soif. Non, il a soif surtout. Vous avez pas quelque chose à dépanner? Non, du tout. S'il vous plaît, dépannez. Vous êtes un dépanneur, vous pouvez nous dépanner. C'est con. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. J'ai rien du tout, je t'ai dit. Dépanne-moi par pitié, j'ai soif. Vous pouvez dépanner une voiture, monsieur? Non. Voilà, vite, il faut aller à un endroit pour acheter à boire. Vite, je vais tomber dans les pommes. Sert à rien, dépanneur de pacotille. Et les distributeurs là-bas, ils marchent pas? Non, ils les ont enlevés de la circulation. Ah, on s'amuse, on cherche une bouteille d'eau. C'est vrai que ça gâche pas l'ambiance. Le temps que tu vas boire la bouteille. Ouais, ben j'en prends des 50. Et bien sûr, à la supérette du coin. Qu'est-ce qu'on peut pas acheter? De l'eau! Parce que c'est vrai que c'est très rare et très précieux l'eau, alors c'est très difficile de l'approvisionner régulièrement, chaque lieu! T'as beaucoup de choses à dire, hein? T'as... Ouais, non, mais ça m'énerve. Gros, c'est la patate. Ça m'énerve. Y'a personne, hein, y'a jamais personne. Oh là là, c'est pas possible. On va regarder là-bas, on va t'aider. Tu estimes ton temps à combien là? Voilà, si je bouge un peu trop, je meurs déshydraté, me mets pas au soleil. Ok. Me faut un capricum. Là, des policiers, c'était des vrais ou pas? Ouais. On aurait dû leur demander s'ils avaient pas à boire. On aurait fait du pain, une drugstore. On aurait perdu du temps. Que là, bam, on va là. Tu restes ici, j'arrive, cherche à boire. Je bouge pas. Je vais me mettre à l'ombre. J'ai soif. J'ai foif. Foif. Tiens, vite. Mais vite. Ça se boit, ça? Oui, c'est une bière sans alcool. Quel enfer. Il y a des gens qui font ça. Deux. Et je peux en avoir une autre ou... Parce que on va aller au restaurant. On va aller au restaurant. Attends deux secondes. L'occasion fait le larron. Pas du tout. Ah ben non. Boitant. Ta fille, c'est une sauvageonne, hein. Non, mais c'est normal. Elle m'a tapé. Non. Elle a bien fait, bien sûr que si. Je suis un vieil homme, on ne me moleste pas, on ne me tartine pas. Allez, go, 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 go. J'essaie de trouver un restaurant ouvert, en fait. Il n'y en a pas. On aurait mieux fait de prendre 3 bières, 2 fricadelles, c'était pareil. Hein. J'ai pu. Mais au monsieur, là, où t'as acheté la bière? Ben non, c'est pas à lui. C'est que j'ai trouvé par terre, ça. Donc, j'ai de la chance. Je viens de boire une bière de Clodo, c'est ça? J'avais soif, de toute façon. Je savais pas si c'était de la bière. Mais, bah, si c'était de l'urine, elle avait bon goût, elle était bien sucrée. Le monsieur est diabétique. Hein. Je pense. Je veux ce camion, puis on le vole. Mais
Attends, reviens là. Écoute, attends. Si tu veux vraiment le camion, ouais. Ce qu'il faut faire, il faut dire, ah, votre véhicule est ouvert, il faut le fermer. Il va utiliser ses clés, bam, là, tu prends le d'accord, camion. D'accord, toi tu fais ça, moi je suis petit. Non, moi je fais rien du tout. Moi je suis pas ton. Non, mais. Vas-y, je suis pas ton lutin, juste Michel. Tu dis ça, tu dis votre véhicule est ouvert. Ah ouais, ouais. Ok. Non, on va faire un truc. Mets-toi caché. Ouais, ouais. C'est malin ça, mais vas-y. Il me plaît, j'aime même la couleur. Il est rouge. Si ça marche, on va couper les couilles. Monsieur, fermez votre camion, je vous le dis. Merde, il a accroché. Il a accroché. Vas-y, descends là. Il a accroché. Il a accroché. Comment je fais? C'est quoi le... C'est quoi... Comment on fait? Il a accroché. Vas-y, descends du camion. Il a accroché. Vas-y, descends là, toi. Il a accroché. Jamais ça casse, ce truc. Ça t'apprendra, t'as voulu. Il a accroché. J'ai rien fait, je suis innocent, monsieur le juge. Ne me mettez pas en prison. Vas-y, descends là. Il a accroché, comment je fais? Tu as été mécano, comment je fais? Ah, ça m'a... Vous allez bien, monsieur? Abort mission. Il l'a attaché, les malins. Pourquoi tu l'accroches? Tu décroches pas? Mais j'y arrive pas! Je sais pas comment. Bon, j'ai jamais vu un mec comme ça qui dit de faire de... Mais ça vous, c'était malin! Ils sont bêtes les gens! Il est intelligent! Hein. Je crois qu'il va m'en remettre après. Faut de la putain de déguisement, c'est bon. On est les plus mauvais voleurs de véhicules du monde. Allons à l'autre, il faut aller à l'autre de mécano, ouais. Celui à côté du cinéma. Là-bas, il y a des gens. Vérifie si c'est pas. Ah, le Winwood. Là-bas, il y a du monde. Là-bas, moi je veux connaître. Essaye de gratter. Écoute, maintenant, à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu grattes à boire. Ah, lui là, à boire. Oh, mais lui, il donnera jamais rien à lui, c'est un radin. C'est un radin, attends, arrête. Tu sais pourquoi il est comme ça? Non. Ah, je crois qu'on va avoir des problèmes. Tu penses? Non. Allez hop, Winwood. Au pire, on appelle l'avocat de tout à l'heure. Et après, je dois aller faire. Avec des collègues là de rugby. On a une équipe de rugby, on s'appelle Leg of Legends. Mmh. Et on doit aller faire des classements. On faisait des péchés. J'avoue que sa technique pour produire le camion, elle était redoutable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles? Ça va bien? Ouais, t'es où? Voilà, doucement. Allô, Sto, je dépose un vieil ami un peu fou et. Mais non, bah, mais, non, c'est mais pas j'ai, là, j'ai qu'une place. Voilà, va moins vite! Ah ouais! C'est pas là. Va moins vite, s'il te plaît! Bah, c'est moi qui conduis. Oui, j'arrive. Mais non, mais va moins vite parce que là, c'est. Non, c'est. Non, stop! Non, voilà, stop! Quoi? Mais pourquoi? Stop! Voilà, bien sage. Laisse-moi la place, s'il te plaît. Non. Mais bah, non, moi, station, le problème vient de toi. Non, mais j'y vois pas bien. Ferme les yeux! Il est bête, ferme. C'est pas de ma faute hein, si t'as pas pu voler un véhicule. Allez vite, à 20. Mais pas de ma faute si j'étais attaché. Ouais, mais bon. À la gouttière, quoi. Mais par contre, je comprends pas parce que le pire, c'est qu'on entendait le bruit de la portière. Oui. Et lui, il fait quoi? Il ouvre son véhicule. Mais j'ai cassé la vitre quand même pour entrer. Ouais, mais il y a. Enfin, c'est. Ouais, j'avoue. Comment? Je comprends pas alors. Moins vite, s'il te plaît. Mais tu me dis vite, puis je dois moins. Enfin, je comprends pas. Non, tout le temps, moins vite. Moins vite, tout le temps. Voilà, message. Moins vite. En fait, toi, t'es bizarre. Je pense que t'es lunatique. Tu veux défier l'ordre de la ville. Tu vois, tu fais des trucs de bandit. Puis tu veux respecter le code de la route. Enfin, je comprends pas. Moins vite. C'est moi qui crée l'ordre et le chaos. Ah merde, je vais te retrouver le vieux. Je suis, pour faire quoi? Je suis pas là.
Ah, le gros camion là, t'es prêt? Comme ça. Ouais, c'est bon ça. Ça, c'est ce qu'on veut, ça. Vas-y. Enfin, il est fermé, logique. Ah. On va avoir du mal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis générateur de bugs. Je vais rester loin. Le gros camion. Il y a quand même un problème. Il y a une situation épique. Oh ben ça arrive, hein. Tout va bien. Ah, c'est pratique. Ah! Bon, mais je suis pas arrivé à monter. Bonjour les filles, alors ça gazouille les poupettes? Oh non, mais toi, va loin! Va très très loin! Hein, je dois aller où? Bonjour monsieur, madame. Va là-bas! Bonjour, comment allez-vous? Putain, c'est bon toi, ils t'ont lâché la police? Mais bien entendu, enfin la police me lâche tout le temps. Tu me reconnais pas? Bien sûr que je te reconnais. Allô? Ça va? Enfin, mais oui, je vais bien. Pourquoi j'irai pas bien? Bah écoute, hein, tant mieux, hein. T'as besoin de quoi? Vous avez vu votre camion là, il est en l'air, c'est normal? Non, tu vois, faut arrêter de boire et fumer. Le camion il est en l'air. Non, c'est pas un Transformers. Ah. Il est bien au sol. Bah bon? Ouais. Non, non, Optimus Prime il a pas encore pris le camp. C'est qui ça, Optimus Prime? C'est un alien, t'inquiète pas. Ah, un alien! Ouais. Ah, moi, écoute, j'ai vu une vidéo incroyable sur les plastistes. Savais-tu qu'il y avait une giga pangée qui nous entoure autour du mur et qu'après il y avait une giga mur? Et là-bas, il y a des sirènes qui ont comme animal de compagnie des mégalodons. Les baleines sont des êtres supérieurs qui migrent entre notre partie du cercle et celle du cercle extérieur. Il y a les géants qui protègent la nature. Oh, Michel, il y a des dinosaures, il y en a une où il y a des aztèques. Et sinon, il y a des bases du Troisième Reich camouflées sous la croûte terrestre. Mais raconte sa vie, là, aïe, 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 aïe. Michel, écoute-moi. Merci. Oui. Vas-y, bonne partie avec ton équipe de ça rugby, marche. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, le chapeau en rouge? Vas-y. Il nous amène une motte de beurre. On dirait Michelin, mais en rouge. Ouais. Ah, tu dors? Vous dormez, mademoiselle? Vous êtes narcoleptique? Non, j'ai juste écouté ce que vous disiez. Ah, vous êtes inintéressante alors? Non, c'est vous n'êtes pas intéressante. C'est vrai, prouvez-moi que je ne suis pas intéressant factuellement. Donnez-moi trois raisons de votre inintérêt envers moi. Ah, aucun argument. La jeunesse dévoyée. Vous n'êtes pas intéressant, donc forcément, j'ai pas d'argument. Oui, mais pourquoi suis-je pas intéressant? Donnez-moi trois arguments comme quoi je suis pas intéressant. Pour me dire que je suis pas intéressant. Voilà, c'est bon. Bon, la jeunesse, attends. Ça va? Tu peux mettre mon numéro dans le web? Mais c'est fait. Non. La vache, il est beau, votre camion. Il me l'a enlevé. Ah, il remonte, hein. C'est mignon. C'est animé? Non, vous inquiétez pas. Oui, c'est animé, monsieur. C'est incroyable. Je peux monter dessus, j'ai fait la photo. Faites la photo que je suis beau. Ouais, la demoiselle, rends-toi utile, prends la photo. Tu me l'envoies, jeune. Je fais la photo. Non, mais il l'a pas enlevé, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Je suis beau, là, hein. C'est quoi ton numéro? Attends, refais une photo, je me mets au volant. C'est pour mamanchaudasse.com. Prends-moi en photo. Dégage, descends. Monsieur, vous roulez pas avec. Merci s'il vous pour plaît. Le camion. S'il vous plaît, monsieur. Non. Allez, à plus. J'ai mon camion. Je suis trop malin. Ça se vend, ça. Je vais appeler Ginny direct. Je vais dire voilà, j'ai un truc pour toi. Puis il va vite en plus, hein. Je vais appeler Jimmy. Complètement taré, Jimmy. Oh putain, j'en peux plus. Attends, je vais l'appeler. Allô?
Oh, Jimmy, je crois que j'ai quelque chose pour toi pour remplacer ta voiture. Ça va te plaire. Tu es où? Vas-y, je t'envoie la pause, viens. J'arrive de suite. Et franchement, après, on est quitte, hein. Si ça te plaît. À voir ce que tu ramènes, à voir. Vas-y. Envoie la pause, envoie. Je sais pas comment on fait pour utiliser la pause. Et merde, où est-ce qu'elle est la pause? Voilà. Jimmy! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Ouais. Ah, coucou Jimmy, c'est tonton Michel, comment ça va, pichounet? Voilà, pour rembourser ta voiture, il est neuf, hein? Non, mais tu m'as pas fait voler ça au mécano, par pitié. Bah oui, je t'ai dit, j'étais doué. Je suis fort hein, pour voler les véhicules, je suis un malin. Oh, j'ai dit, prenez-moi en photo volant, comme si un petit fils, ça n'est pas douté, hop, je suis parti avec. Mais ça sert à quoi? Je vais faire quoi avec ça? Mais tu peux voler d'autres voitures, comme ça tu les mets à l'arrière sur le plateau et hop! Tu fais passer pour un mécano et t'es dans ma avec. Je sais pas faire ça. Bien sûr, c'est facile, faut appuyer sur le bouton pour dérouler le machin, la voiture monte dessus, après tu te pars avec. Ah, tu sais qu'il y a des flics qui m'ont parlé de toi. Hein. Ils n'en peuvent plus. Tout le temps, tu fais n'importe quoi. C'est pas la première fois que tu voles des véhicules. C'est normal, je suis kleptomane à tendance sénile. J'emmerde le monde. Je vais te dire la vérité, je garde pour toi. Hein. Je suis commandité par le gouvernement du Nord pour semer l'anarchie et instiller un bordel sans fin dans le Sud. C'est que vraiment, honnêtement, je te jure que si c'est vrai, ça m'étonnerait même pas. Ils sont tellement fous là-bas. Eh ben c'est vrai. C'est bien payé en plus. Hein. Ah ouais? Pour de vrai? Ah ouais, pour de vrai, ouais. Combien? Vas-y, balance les prix. 100 000. 100 000 pour faire ça? Bien sûr. Mais qui me balance un peu? Moi aussi, je fous la merde dans le Sud, on a rien à foutre. Ah. Mais je vais voir s'ils peuvent, voilà, te prendre. Dis-leur, écoutez, moi je connais des gens ici en plus, chez les endroits qu'il faut casser. Ah, tu le prends ou tu le prends pas? Honnêtement, je vais rien faire de ça. Il va à 180. Tu le prends ou tu le prends pas? Prends-le, va t'amuser. Mais vas-y, ton. Mais prends-le, allez, là. T'as un couteau, t'es un fou, t'as une chaussure rose, à moi. Dépêche-toi et la police. Non mais j'ai rien fait, je m'en fous. Puis j'attendais des mecs. C'est toi qui l'as volé. Non mais personne va te croire. Et c'est bien sûr que oui, tout le monde me croit. T'es fou, t'es loco comme on dit. Je suis très sain mentalement, je ne vois pas de quoi tu voulais parler. Mets-toi avec une arme, ça doit être un truc de ouf. Donne-moi un couteau. Non. Donne-moi ton couteau. Non. C'est sur ton couteau contre mon camion qui n'est pas à moi, que j'ai volé il y a 10 minutes. Mais non, tu me l'offres déjà, pourquoi je peux passer mon couteau contre toi? Comment je l'ai eu? Je l'ai acheté. Où ça? Tu veux un couteau, je vais te vendre des trucs, tu veux quoi? C'est vraiment un truc, je veux un couteau. T'as combien? J'ai ma retraite, de l'argent en banque. Oh, mais y'a combien dedans? Vas-y, 8000 le couteau, je suis gentil. Hein? Attends, c'est cher, hein? Ma voiture, je l'ai payé 5000, même problème. J'avoue, j'ai essayé de te baiser. Mais un couteau, je crois, c'est quoi? C'est 4500, c'est 5000, hein? Tu sais, quoi? Et une hache, la dernière fois, j'ai vendu une hache, c'est 7500. Ouais, tu sais quoi, je roulerai sur les gens, voilà. Non mais attends, il y a 2 minutes, tu m'as dit que t'es payé 100 000 dollars. Pourquoi tu fais c'est pas vrai, j'ai pas payé aussi cher. C'est pour te faire rêver, pour me faire embousser, parce que je suis jaloux de tes belles chaussures roses. Ouais, je comprends, mais là, elles sont remplies d'eau. T'as vu, j'ai froid, je suis tombé malade. Bon. Faut que j'aille me changer. Ben, allez, viens, monte dans le camion, je te dépose. Non, mais j'attendais pas ta moi, t'es mignon. Ah bon. Ah ben, ça va, j'y vais alors. Ouais, et va rendre le véhicule au mécano, tu pourras rien faire de ça. Ouais. Mais si, viens voir, regarde. Oui. Ah ouais. Ah, tu fais bien les bruitages et tout en plus. Hein. Tu pourrais faire ça toute la journée. Non, franchement pas mal. Allez-y. Elle est vite pour qu'il casse, hein. Je le jure. D'où.
on joue à la dinette là ou quoi? Ah, c'est moi jouer, ça fait ce que je veux. Quand oui, j'étais oui, petit, j'avais pas les camions. Là, j'ai un camion maintenant. Ah, t'as mérité, t'as travaillé pour ce camion. C'est bon, j'y vais, j'ai pas que ça à faire. Ouais, bah vas-y. Je suis mécanicien, moi, monsieur. Mécanicien. Hey, si tu trouves une Buffalo, tu m'appelles. Ouais, je te la kidnappe. Ouais. Kidnappeur mécanicien. C'est les défis qu'on a fait de Ruban. Je leur aurais chenappé un véhicule. Et on va s'arrêter parce qu'il y a Thibaut qui nous attend. Qu'on ne fait pas attendre longtemps ses amis. On va donc aller se garer. Vraiment vite ce camion. Pardon monsieur. Vache, il est incroyable. Quel dommage que je ne puisse pas définitivement le chenapper. Ouais, ben j'ai un camion là par contre, hein, loulou. Allez hop, en avant, Genga. Je suis là, vous m'avez appelé. Vous êtes fou. Ben, j'ai pas fait exprès, mais vous inquiétez pas, je suis un mécanicien assermenté. Allez hop. Où qu'il est? Où qu'il est? Savoir ce qu'il fait là. Ah. Bonjour, service de police, service de dépannage à votre service, maintenant. D'accord, mais vous voyez pas qu'on a bloqué la route pour une intervention hélicoptère de SFJ? Vous inquiétez pas, un hélicoptère juste au-dessus de vous derrière. Donc on va vous demander de prendre votre véhicule alors, et de circuler immédiatement sur vous. Oui, alors bon, l'hélicoptère, je fais pas. Je peux faire, mais j'ai jamais fait. Je recule. Hein. Hélico, c'est parti. Merci. Je sais qu'il va chuter l'hélico. Posez-vous. Descends, c'est bon, ça passe. Pose-toi. Descends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, monsieur, là. Monsieur, vous faites quoi, là? Eh ben, vous m'avez dit qu'il fallait faire l'intervention sur l'hélicoptère. Se poser mais pas dessus, du tout, c'est pas, bon. Pas du tout. Il est en urgence, l'hélicoptère, monsieur, évacué de la zone, là. Et qui peut, je sais que j'ai compris qu'il y avait une allez, urgence. Allez, circulez, là, s'il vous plaît. J'ai un collègue qui fait du planeur en modélisme. On va le réparer, va en réparer ouais, tout. Posez. Circulez. Mais qu'est-ce qu'il fait encore qu'est-ce là? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, mais c'est incroyable. Alors, mais descendez, monsieur. Descendez, vous ça passe. Là, regardez, il y a la place, non? J'ai prenez pas le combat dans l'œil, mais là, il y a la place. Reprenez votre dépanneuse et allez ailleurs, s'il vous plaît, aussi, on va vouloir vous emmener monsieur, en cellule, attention, monsieur. Attention, parce que moi, j'appelle le syndicat des dépanneurs. Prenez vous votre misère, dépanneuse. Oui, il y a hein, pas de soucis, monsieur. Circulez, s'il vous plaît. Ah, si on vous fait la grève, vous allez pas, vous mal le vivre, hein. Il écoute pas, et tête de mule, donc... Mettez-lui les manottes, je crois que c'est la meilleure façon. Alors, on va prendre sa dépanneuse et puis... Oui, papy. Hein? Oh, c'est incroyable comment vous allez être quand vous allez être vieux ou bougonné, hein? Eh ben, j'espère pas comme vous. Mais où est ma dépanneuse? Vas-y, Anderson. Attendez, ouais. Vous avez volé ma dépanneuse? Elle est où ma dépanneuse, les jeunes? Bah, on l'a renvoyée à la foyer. Merci, monsieur. Waouh!
Dans un endroit qui s'appelle un parking, juste là-bas. Ouais, voilà. Où ça ? Ah, je la vois, bah, c'est gentil. Voilà, hein. Voilà, voilà, ouais, 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 ouais. Mais alors, je comprends pas pourquoi j'ai reçu un appel. Bah, je n'en c'est sais rien, monsieur. C'est qui a besoin ici ? Par contre, évitez de parquer votre dépanneuse en dessous d'un hélicoptère qui est en pleine intervention, s'il vous plaît. Je croyais que c'était ça l'intervention. Absolument pas, monsieur, absolument pas. On vient de transporter deux individus décédés, donc c'est absolument pas ça votre intervention. Mais je comprends pas. Ils sont décédés, vous amenez un hélicoptère ? Bah, bien sûr. Vous êtes bien les hommes de la morgue, en fait, monsieur. Quoi. Non, mais s'ils sont morts, ils ont tout leur temps, c'est pas d'intérêt d'utiliser un hélicoptère. L'hélicoptère, voilà, c'est pour c'est les urgences. C'est probablement le véhicule qui est en train de biffer de notre bêtes. Côté, non ? Tu es pas policier pour rien, toi. Il amène les gens morts en urgence d'hélicoptère d'urgence médicale. Le débile. Qu'il est bête. Que je ris. Qu'il est bête. Imbécile, va. Et c'est moi le mécanicien. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Je ris, que je ris. Non, je vais chez le médecin. Ouais, ris. C'est vous bien. Êtes drôle. Il amène les gens morts en hélicoptère, alors faut faire un tour. Ici, c'est le cimetière. À droite, c'est la mairie. Mesdames et messieurs, vous êtes silencieux, mais c'est un endroit magnifique que vous pouvez voir du ciel. Bon, allez, moi, je vais me reposer. J'attends un médecin. Si vous attendez un médecin, c'est pas ici, c'est en haut, s'il vous plaît. Et vous travaillez ici ? Absolument pas, monsieur. Ici, vous eh ben êtes aux voilà, urgences. Alors, vous êtes aux urgences, donc on va vous demander ça de circuler d'aller bien. À l'étage. Vous êtes médecin ? Non. Comment mais je vous déterminez-vous ? Au service des urgences. Vous êtes médecin ? Non, mais je comment vous dis, vous êtes au service des urgences. Comment pouvez-vous juger de mon état de santé, savoir s'il est urgent ou non, si vous n'êtes bah, pas médecin ? Vous êtes debout, vous parlez, vous respirez, non ? Bon, bah et voilà. Alors, c'est pas alors, parce que tu parles et que tu respires que tu ne peux pas être dans un état d'urgence. Et puis toi tu déplaces les morts en hélicoptère d'urgence. Alors bonjour les conseils médicaux. Que je ris, les drôles. C'est pas grave, je vais passer par en haut. Par dehors. Ah ben voyons, je vais faire tout le tour alors qu'il y a un ascenseur. Ouais, arrête c'est privé. Toi, va. C'est privé. Ouais, mais non, il y a mais ah bon, c'est privé. C'est privé. Alors, est-ce qu'il y a un panneau pour marquer privé ? Dites-moi, vous êtes médecin ? Vous êtes médecin ? Alors oui, je oui, suis médecin. Vous avez un badge ? J'ai pas non, bah alors vous faites le tour comme tout le monde. Excusez-moi. Vous êtes médecin ? Vous êtes médecin ? Élévateur ? Vous êtes médecin ? Waiting vous avez un badge ? Room, non, alors vous faites le tour room, comme tout le monde. Operation RAM, X-RAM, Emory oui. Labs. C'est bien, oui, vous savez desk, dire, monsieur. C'est bien. Nurse Stations and Trauma RAM. Et je vois pas de panneau oui. marqué privé. Oui, mais vous êtes au service des urgences, monsieur. Est-ce que vous avez un badge, vous travaillez aux urgences ? Non, bah alors vous faites un tour comme tout le monde. Oh putain, mon pote Régis, qu'elle a dit ! Oh Régis, comment ça va ? C'est un ami à moi, je le connais. Hein. Ouais, bah il est décédé, monsieur. Je sais pas si vous êtes au courant. Terrible. Ah. Bah, de toute façon, j'ai jamais aimé. Voilà. Oh putain. Quatre, gardez vos propos pour vous, s'il vous plaît. S'il y a un vieux qui souhaite payer une amende, vous vous en occupez. Hein. Excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai réalisé un truc. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais Régis là-bas, il est mort. Ouais. Mort de chez mort. Il est décédé, monsieur. Déclaré décédé. Oui, mort. Donc décédé, oui. C'est quand on bah, est mort. Il vit plus. Ça sert à quoi de le mener aux urgences s'il est mort ? Qu'il est bête ! Il y a le coroner qui qu'il est bête là, vous... Le coroner aux urgences, qu'il est bête ! Nul ! Vous n'allez pas vous mettre à crier, là, au si. Ce soir. J'ai ah, pardon, excusez-moi, je passe. Je circule. Et recréer encore une fois, vous arrêtez. Nul ! Non mais, hé, vous êtes un policier ou t'es à cour de récré, c'est incroyable. Allez, moi je vais faire pipi, hein. Fond de la nécromancie. Monsieur, on est dans un hôpital, on vous entend jusqu'au troisième étage. Je crois que vous avez pas compris, en fait. Je crois que vous avez pas compris, en fait. On est dans un hôpital, on regarde comment il est habillé. Je vais aux toilettes, je vais faire le pipi. Ma gueule. En
J'ai pas vu, j'ai pas compris, j'ai croyé qu'on était au unicorne. Vous êtes dans un hôpital, c'est pour ça que je suis venu avec mon gros top et mon gym slim. Ah, téléphone. Allô ? Oui, allô, tonton Michel, ça va ? Ça va bien, merci. Ça va, c'est Lyon, tu te souviens de moi ? Absolument, comment tu vas, mon Tchoukounoué ? Bah, ça va super. Dis-moi, est-ce que tu peux venir, on est avec les autres du Mofo ? Ah oui, oui, alors pas ce soir, parce que là, je suis encerclé par des policiers que je soupçonne être des reptiliens stupides ! Ils utilisent l'hélicoptère des urgences pour transporter des gens décédés et ils soignent des... Ils soignent des gens décédés aux urgences. Comment, je pense qu'ils font de la nécromancie. Attention à toi, tonton Michel. Ne t'inquiète pas, là, je fais pipi. C'est fermé, je fais pipi, rentrez pas, merci. Okay, vous voulez pas voir mon gros colosse. Envoyez votre fax en silence et arrêtez de bailler, s'il vous plaît. Merci. Oui, ça va, hein. Je connais le technique hein, du Gloriole, hein. Calmez-vous, hein. Ah, j'ai fait un bon pipi. J'ai du bien. C'est bon, il y a ces... Oh putain, il... Oh là là, ça repousse. Ça pousse, hein, j'y retourne. Siphon. Après, vous avez... nous, on prend juste les affaires. Une fois, après, on vous laisse entièrement le corps. Ouais, je vous laisse prendre ses affaires. On va essayer de regarder s'il n'y a pas d'affaires sur lui, monsieur. À la morgue des urgences. À l'urgence de la morgue. Ils sont drôles. Je regrette pas d'être passé. Votre imprécision est d'une précision redoutable. C'est ça, oui. Bonne soirée à vous aussi, ouais. Ah non, bah elle est pas bonne, elle vous est croisée. Eh, vous inquiétez pas, il y a pas d'urgence, vous croiserez pas de sitôt. Bah alors circulez, ouais. Vous avez rien à faire ici. Attendez, ça, rire. attendez, je dois prendre mon téléphone en urgence. Allô, ici. Ça va, allez, c'est rien d'urgent. Allez faire coup de fil dehors, là, s'il vous plaît. Arrêtez de gueuler. Il est marrant. Hop. Zut, alors. Allez, hop. Attention, à tout moment, ça fait planter. 1, 2, 3, risque. Risque. Ace! Ace! J'en peux plus. J'en peux plus de ces gens.